je veux n'être qu'à toi. Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Peu importe les vents, les circonstances, je veux n'être qu'à toi. Je veux, Seigneur, t'appartenir pour toute ma vie et ne jamais me détourner. Thank you.
Tu me ramènes à toi. Emma, Emma, dans mes moments de faiblesse, je sais que tu es là. Emma, Emma, bénissant Adonai en ce jour. J'aimerais que tu lèves tes deux mains vers le ciel de là où tu es. Certainement, tu as les paroles qui montent à l'intérieur de toi. Tu as certainement des paroles qui montent au-delà de toi que tu veux exprimer à Dieu ce matin. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu en signe de reconnaissance, en guise de reconnaissance. Élève ta voix, commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à dire un mot à ton Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu, un temps soit peu, commence à exprimer ta reconnaissance à l'Éternel ton Dieu, à l'Éternel ton Père. Seigneur Père, ce matin nous te bénissons, ce matin nous venons à toi t'honorer, te recommander encore ce moment. Nous voulons, Seigneur, de même que tu as commencé avec nous comme étant l'alpha, que tu termines avec nous comme étant le méga, et que tu restes avec nous comme étant l'Emmanuel. Seigneur, nous désirons en ce jour que toi seul tu fasses la porte d'entrée en ces lieux, et que toi seul tu prennes place par la manifestation de ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, que nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu de là où tu es? Est-ce que tu peux te lever et commencer à clamer pour Jésus? Est-ce que de là où tu es, tu peux te tenir debout et commencer à clamer pour Jésus-Christ de Nazareth? La Bible enseigne qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À la confession de son nom, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si tu crois qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, j'aimerais que tu ovationnes l'Éternel des armées. J'aimerais que tu ovationnes l'Éternel des armées. J'aimerais que tu acclames celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui a reçu le nom au-dessus de ce problème, celui qui a reçu le nom au-dessus de cette malédiction, celui qui a reçu le nom au-dessus de ces problèmes, de ces fléaux que tu traverses certainement. Si tu crois à cela, j'aimerais que tu acclames et tu célèbres ton Dieu. J'aimerais que tu acclames et tu pousses des cris de joie pour l'Éternel ton Dieu ce matin. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Non, si tu es dans la joie, j'aimerais que tu agites ta main comme ça. Si tu es dans la joie, j'aimerais que tu agites ta main. Que Dieu te bénisse encore et que la grâce de Dieu soit en partage. La Bible déclare ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, mais aussi par la parole de leur témoignage. Tu as certainement un témoignage. L'Éternel Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et en signe de reconnaissance, tu veux venir rendre gloire à Dieu. Tu es prié tout simplement de te rendre au niveau de la communication, au niveau de la communication afin de faire part ton témoignage. Pendant que tu rends témoignage ce matin, tu vas édifier quelqu'un ce matin. Tu vas bénir la vie d'une personne. Je te prie toutefois de rester toujours sur tes pieds en quelques minutes. Et pendant que tu es debout, tu es prié toutefois de prendre ton offrande. De prendre ton offrande. Prends ton offrande dans ta main droite.
et tu commences à prier pour ton offrande, tu vas commencer à bénir ton offrande. Tu vas commencer à déclarer que ton offrande plus s'appelle bénédiction, que ton offrande monte à l'éternel Dieu comme étant un parfum de bonne odeur. Élève ta voix et commence à bénir tes offrandes. Commence à bénir ton offrande. Prie pour ton offrande, que ton offrande s'appelle paix. Déclare ces paroles, que ton offrande s'appelle bénédiction. Déclare encore ces paroles, que ton offrande s'appelle réussite. Élève ta voix un tant soit peu et bénis ton offrande. Seigneur, nous déclarons que nos offrandes s'appellent paix, bénédiction, grâce, faveur. Que nos offrandes montent à toi comme étant des parfums d'albâtre et des parfums de bonne odeur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, que nous tous nous disons amen. Sur la colline des chantres et de l'accueil, tu vas te déplacer pour venir offrir ton offrande à l'éternel Dieu. Ne me laisse pas tomber, Jésus.
as certainement apporté ta dîme. Tu as prié de pouvoir apporter ta dîme. Les hommes de Dieu prieront pour ta dîme. Que toutes les personnes qui apportent leur dîme, tu as prié de pouvoir apporter ta dîme afin que les hommes de Dieu prient pour cela. Dans cet même élan, certainement tu es là, tu as un témoignage. L'Éternel Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il t'a certainement restauré. Il t'a certainement apporté la guérison. Il t'a certainement apporté quelque chose que tu cherchais longtemps. Et par les mains des hommes de Dieu, par les mains de notre Père, tu as certainement reçu ce que tu cherchais il y a plusieurs années. Et tu veux ce matin rendre gloire à Dieu. Car la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus, mais aussi par la parole de leur témoignage. Et tu es certainement là, tu veux témoigner la gloire de Dieu. Tu es prié toutefois de pouvoir te rendre au niveau de la communication, au niveau de la communication, afin de faire part à ton témoignage, afin de t'enregistrer, avant de venir témoigner la gloire de Dieu. Et sur vos chaleureuses immenses acclamations, nous allons accueillir ici le pasteur Miller, qui viendra consacrer ses offrandes et ses dîmes. La parole de Dieu déclare dans le livre de Malachie, qu'apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, pour qu'ils ne manquent point à manger. Il continue en disant, mettez-moi à l'épreuve, si je ne menacerai pas les dévoreurs dans vos vies. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces dîmes que tes enfants ont apportées dans ta maison en signe d'obéissance. Bénis leurs mains, bénis leurs avoirs également, pourvois Abba Père à leurs besoins, et que ces dîmes viennent crier dans leur vie pour les épargner de tout danger, multiplie toutes ces dîmes au centuple. Et donne également à ceux qui n'en ont pas, ainsi nous t'avons prié, dans le nom de Jésus. Amen. Déposez vos dîmes là. Yahvé, Abba Père, nous venons te recommander ces offrandes. Papa, que tu étends ta tendre main sur ces offrandes. Abba Père, aussi vrai que tu es le Dieu qui a déclaré que l'homme ne comprendra pas dans ta maison main vide. Abba Père, en signe d'obéissance à ta parole, tes enfants ont apporté dans ta maison. Bénis les mains des personnes qui ont donné. Bénis de même les personnes qui n'ont pas pourvu donner, pour que prochainement qu'ils puissent apporter. Abba Père, pourvois également à leurs besoins. Ainsi nous t'avons prié, dans le glorieux et suprême nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que tout le peuple dise avec moi trois fois Amen. 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 Un second acclamé pour le Seigneur. Pendant que tu es en train d'acclamer pour Dieu, je te prie de pouvoir être sur tes pieds. Est-ce que pendant que tu es en train d'acclamer, est-ce que tu peux te tenir debout? Continue toutefois d'acclamer Dieu pendant que tu te lèves dans la présence de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu. Bien-aimés, nous rentrons à une phase où nous allons manger bio. Nous n'allons pas certainement manger des nourritures qui ont des produits et autres afin de pouvoir causer des dommages à notre santé. Mais nous allons recevoir ce matin une parole révélée qu'on appelle le Réma, qui viendra nourrir notre esprit. C'est la raison pour laquelle je te prie toutefois d'abord, avant de pouvoir écouter la parole de Dieu, de poser la main sur ton cœur. Car la Bible déclare dans le psaume 37 à partir du verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc la prédication passera, certainement tu désires quelque chose à l'intérieur de toi. Et pendant que cette prédication, cette parole passera, Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences à présenter ton cœur à Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences à parler à ton Dieu, afin que l'Éternel Dieu prend le plein contrôle de ton cœur. Élève ta voix et en quelques minutes, commence à parler à ton Dieu. Commence à le présenter ton cœur. Parle à ton Dieu, commence à le présenter ton cœur. Commence à le présenter ta vie ce matin. Commence à le présenter afin que pendant que la prédication passera ce matin,
la lourdeur ne soit pas ton partage. Afin que pendant que la prédication passera ce matin, que le diable ne puisse point venir voler ce que tu recevras ce matin. Parle à ton Dieu et commence à présenter ton cœur. Commence à présenter tes pensées. Commence à présenter ta vie ce matin à Dieu. Nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Ce matin, certainement autrefois tu avais pour habitude d'écouter des prédicateurs, mais il y a une différence avec celui qui viendra nous enseigner, car ce n'est pas un prédicateur mais c'est un oracle de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, un oracle. Vous savez, un oracle, c'est une personne qui a la capacité, par le canal de sa parole, de pouvoir déclarer des paroles, et ces paroles voient le jour. Et ce matin, nous sommes sur le point de faire entrer une personne qui transporte la présence de Dieu. Une personne qui transporte la carrure de Dieu avec lui. Une personne qui a la capacité, par sa prédication, de pouvoir impacter ta vie. De pouvoir changer totalement ta vie. De pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur ta vie. C'est la raison pour laquelle, pendant que cet homme de Dieu rentrera, je te prie de pouvoir célébrer l'éternel Dieu. Sur vos chaleureuses immenses acclamations, nous allons accueillir ici le pasteur local, le pasteur Eli Lembimbi, pendant qu'il est en train de rentrer. Je te prie toutefois de pouvoir acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lève tes mains au ciel avec moi. Prie avec moi en disant ceci: Seigneur Jésus, ce matin, je te suis reconnaissant pour le souffle de vie, pour la force, la santé, la sécurité que tu as étendue non seulement sur ma vie, mais sur la vie de ma famille. Combien tu es glorieux. Ce matin, reçois mon adoration, reçois mes actions de grâce, reçois mes prières. Je viens à toi implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Tu es Dieu. Avant toi, il n'y a point eu de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Dispose mon cœur que cette parole de ce matin accorde la vie à mon âme. Que la parole de ce matin touche ma vie et m'apporte la délivrance, m'apporte la restauration et la faveur dans tous les domaines de ma vie. Ouvre mon entendement. Sois élevé et sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors nous bénissons encore le Seigneur ce matin. Nous sommes à notre culte dominical d'action de grâce tous les dimanches. C'est une bénédiction de nous retrouver et une grâce encore de nous retrouver en présence de l'Éternel. Beaucoup ce matin sont sous des perfusions, beaucoup sont dans des ambulances, beaucoup sont en train d'être réanimés, mais Dieu nous a fait grâce d'être en sa présence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie, pour cette faveur que Dieu t'accorde? Amen. Et donc, bien-aimés, c'est en cela, la Bible déclare qu'en chaque chose, rendez toujours grâce à l'Éternel. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments, rends toujours grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi Pierre avait compris, il a dit: Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Amen. Et c'est à ce Seigneur-là que tu dois te confier, parce que c'est lui qui est l'assurance véritable.
C'est lui ton protecteur. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui a veillé sur toi depuis le sein de ta mère jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Acclame encore le Seigneur et pousse encore des cris de joie. Je me confie en Jésus. Je me confie en Jésus. Je me confie en Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je me confie en Jésus. En lui, il n'y a point de mal. Alors, si tu veux chanter avec moi pour glorifier le Seigneur, nous sommes dans la joie et dans sa maison. C'est une grâce d'être en vie. Merci. Oh, je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle dans ses. Oh, je me confie en Jésus, en lui point de mal. Ça, c'est la vérité. Oh, je me confie en Jésus, en lui point de mal. Je veux me réjouir, réjouis-toi, car le Seigneur.
Asseoir juste quelques instants. Alors ce matin, nous sommes dans la joie, vraiment dans la joie, et nous croyons que Dieu disposera toutes choses en notre faveur. Même si tu es arrivé chargé, fatigué, alors dépose ça à la croix du calvaire. Vous savez, le Seigneur, il déclare que qui, à force de s'inquiéter de sa vie, ajouter une coudée, même, ça dit même pas un centimètre à sa vie. Ne t'inquiète pas de ce que tu subis. Ne t'inquiète pas de ce que tu traverses. Mais la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 4 à 6, il dit, nous devons prier le Seigneur avec toutes sortes de prières, de supplications, et en joignant aussi des actions de grâce. Fais seulement la prière, maman. Fais la prière, papa. Ce n'est pas que Dieu est sourd à ce que nous lui demandons. Non. La Bible déclare que celui qui a fait les oreilles, vous pensez que lui-même, il n'a pas les oreilles pour écouter. Mais si depuis la création à l'Éden, fabriquant l'homme avec la poussière de la terre, il avait façonné l'homme parfait à son image, qui avait les yeux, les oreilles, le nez et la bouche et les pieds, la Bible déclare quoi? Qu'il a été fait à son image et à sa ressemblance. Là où tu es là, tu es un petit Dieu sur la terre. Et ceux à qui la parole est venue sont appelés des dieux. Acclame le Seigneur pour la divinité qui repose en toi. Acclame le Seigneur pour la divinité qui repose en toi. Dieu est en toi, mon frère. Dieu est en toi, ma soeur. Ne t'ignore pas, ne te néglige pas. Dieu te connaît et il te connaissait même avant la fondation du monde. Ça, c'est une vérité. Amen. La Bible déclare dans le livre des Romains, il dit que Dieu connaît sur la face de la terre ce qui lui appartient. Voilà pourquoi tu sentiras la secousse, tu sentiras la persécution,
Tu sentiras que les gens ont de la haine pour toi. Tu sentiras que les gens ne t'aiment pas. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas dans leur camp. Tu es dans le camp de Dieu. Et c'est toujours ceux qui sont dans le camp de Satan qui persécutent ceux qui sont dans le camp de Dieu. Mais malgré la persécution, ceux qui sont dans le camp de Dieu seront toujours victorieux. Ils seront toujours vainqueurs. La preuve, il y a un, notre aîné, notre grand frère, le premier, qui est venu donner la victoire totale et complète sur les ruses de Satan. Donc ne t'étonne pas si les gens ne t'aiment pas, mais parce qu'ils savent que tu as déjà le salaire. Si les gens ne t'aiment pas, mais parce qu'ils savent qu'ils peuvent te rattraper, te ramener en enfer. Si les gens ne t'aiment pas, mais parce qu'ils savent que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Acclame le Seigneur. Même Jésus, ils ne l'ont jamais aimé. Et pourtant, ils ont mangé le pain et le poisson. Mais ils ont dit à Pilate, condamne-le. Parce qu'il n'est pas dans notre registre. Il ne veut pas s'aligner à nous. On veut que tu t'occupes de lui. Amen. Voyez, l'homme est toujours irreconnaissant, ingrat. Tu peux poser des actions. Tu peux faire du bien. Mais l'homme toujours verra cela comme du néant. Et pire encore, si c'est un incroyant, si c'est un incrédule, il ne va jamais considérer tout le bien que tu as fait. Voilà pourquoi nous avons parlé ici de l'humiliation à l'élévation. Et nous sommes en train de marcher pour entrer maintenant dans la puissance de l'action de grâce. Que ce matin s'en souvienne, Dieu s'en souvienne de tes prières. Que ce matin Dieu s'en souvienne de tes actions de grâce. Peu importe le moyen que tu as déployé pour poser une action, peu importe la quantité ou la qualité, Dieu regarde à tout ce qui se passe sur la terre. Que ce matin Dieu s'en souvient de toi. Il dit même jusqu'à nos cheveux, Dieu connaît le nom. Donc ce n'est pas les problèmes qui sont dans le cœur que Dieu ne sonde pas. Il dit, il sonde les cœurs et les reins et rien n'est caché devant lui. Je peignais le Seigneur encore ce matin et par l'entremise de son serviteur, le prophète Emmanuel, qui me donne le privilège d'intervenir ce matin devant vous, peuple de Dieu. Je ne suis pas digne. Mais c'est par la grâce de Dieu que je me tiens devant vous. Amen. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il ajoute encore dans le livre de Romains, il dit comment les gens croiront, comment les gens vont comprendre s'ils n'ont pas quelqu'un qui les enseigne et qui les apporte la parole. Or que Dieu a prévu de sauver l'humanité par la folie de la prédication. Et Dieu nous envoie comme messager, Dieu nous envoie comme prédicateur, comme pasteur. Mais le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Je salue l'assemblée entière au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées ce matin, spécialement pour assister au culte et au retour du prophète? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Tu es arrivé pour la première fois, tu peux lever ta main. Tu peux aussi t'élever là où tu es. Tu peux t'élever là où tu es, n'aie pas honte, c'est la maison de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour ses bien-aimés. Qui nous visite pour la première fois. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Acclame encore le Seigneur pour ces nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois à l'église synagogue du Gabon, qui est dirigée par le serviteur de Dieu, le leader de cette église, le prophète Emmanuel Nzoma. Alors, soyez les bienvenus. Je suis le pasteur Élie, pasteur local. Toutefois, c'est sûr que vous avez des interrogations, des questions et vous voudrez raconter le prophète de Dieu. Il faut que nous comprenions, nous Gabonais, que même autrefois dans la Bible, même les rois avaient besoin de prophètes pour gérer leur royaume. Et le prophète, c'est la voix, c'est la bouche, c'est le médiateur de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont plus au Nigeria, au Ghana. Mais Dieu a trouvé bon de nous envoyer un don sur place. Et donc, tu peux venir le consulter tranquillement, mais ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui parle à travers l'homme. Et souvent, beaucoup ne croient pas que c'est Dieu qui parle. Quand il t'a déjà dit que c'est fait, ça dit que dans l'esprit, c'est déjà fait. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous avons les cultes vendredi 17h30 et dimanche comme ce matin. Alors, à la fin du culte, ne partez pas. Vous allez occuper la rangée ici, à ma droite. Et il y a un département qui s'occupera de prendre vos coordonnées
Et peut-être vous voulez raconter au prophète, ça fera partie des entretiens en privé avec l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. On acclame encore le Seigneur pour nous asseoir. Merci. Nous bénissons aussi le Seigneur pour les hommes de Dieu, les anciens, les responsables et tous les départements qui, depuis le matin, se sont évertués à ce que nous puissions être ici dans ce culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'œuvre de Dieu, pour les ouvriers, pour les lévites et pour tout ce que Dieu a permis que ce matin, nous puissions être là pour écouter sa parole. Amen. Alors, nous allons nous lever pour quelques instants et lire dans le livre de Genèse 22, Genèse 22, à partir du verset 1 à 18, je vais aller rapidement, prendre l'essentiel. Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, mais je vais prendre le verset 8. Je vais quand même remonter au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il faut bien l'écouter. Après ces choses, il se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Voyez l'assurance d'Abraham. Hein? Il dit, « Moi et mon fils, le jeune homme, nous allons aller adorer le Seigneur et nous reviendrons parmi vous. » Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. » Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu de Dieu, que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Je vais aller au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Que le Seigneur apporte les bénédictions à la lecture de sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que les bénédictions de l'Éternel rattachées à cette parole soient aussi ton partage au nom de Jésus. Alors, je vais aussi lire dans Deutéronome 14, nous sommes dans le thème « La puissance du sacrifice ». Et le sous-thème ici, pour bien comprendre, c'est « Le sacrifice attire la bénédiction ». Le sous-thème « Le sacrifice attire ou active la bénédiction ». Ça dit que peu importe le lieu, l'endroit, la qualité, la quantité, une fois il y a un sacrifice qui honore les écritures et la parole de Dieu, forcément la bénédiction doit apparaître. Amen. Alors dans Deutéronome 14, versets 22 à 29, tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année.
Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Vous pourrez aller jusqu'au verset 29. Je vais aussi rapidement lire dans Malachie 3, verset 7 à 12. Malachie 3, 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Acclame le Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans ce thème, la puissance du sacrifice. Et je donnais comme sous-thème, le sacrifice attire la bénédiction. Alors, nous devons comprendre ce matin qu'il y a une puissance liée au sacrifice. Et nous devons comprendre que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait exigé le sacrifice des boucs et des taureaux qui pouvait atténuer et calmer et couvrir seulement le péché de l'humanité. C'est une forme de sacrifice. Et quand on parle de sacrifice, il y a plusieurs formes. Mais en général, quand on parle de sacrifice en ce qui concerne la Bible et ce qui concerne le christianisme, principalement, il s'agit de l'offrande ou de la dîme ou des actions de grâce. Amen. Ça, c'est en ce qui concerne le christianisme. Mais toutefois, nous pouvons toujours présenter et élucider ici les différentes formes de sacrifice. Nous avons l'offrande. On peut parler aussi d'offrande sacrificielle. On peut parler aussi d'offrande d'action de grâce. On peut parler de la dîme. On peut parler du don. On peut parler du sacrifice personnel. Là, maintenant, c'est toi qui es concerné. Et là, nous pouvons lire rapidement dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. À partir du verset 1, Romains 12, verset 1 à 3, la Bible déclare ceci concernant le sacrifice personnel. Au verset 1, Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Là, il s'agit aussi du sacrifice personnel. C'est-à-dire, c'est ta vie, c'est ton âme, c'est ton esprit, c'est ton corps que tu dois consacrer à Dieu comme un sacrifice. Mais il faut que ce sacrifice-là soit saint. La Bible parle de la sainteté, de la sanctification. La vie parle de l'humilité, de l'obéissance et de la crainte de Dieu. Alors tu te donnes en sacrifice à Dieu. Tu dis, Seigneur, prends-moi et transforme-moi, renouvelle-moi, change mes habitudes, change mon caractère. Tu te donnes en sacrifice à Dieu. Tu es un sacrifice. Je suis aussi un sacrifice. Mais beaucoup de chrétiens refusent de se donner en sacrifice à Dieu. Parce qu'ils cherchent à raisonner.
Non, j'ai encore ma vie. Je suis encore jeune. Je peux faire ce que je veux. Mais la vie que nous avons ne nous appartient pas. C'est un don que Dieu nous a donné. Et si nous gérons mal cette vie, Dieu nous demandera aussi des comptes. Parce que c'est un don. La vie, c'est un don que Dieu nous donne. Le sacrifice personnel, la consécration d'un homme aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui se livre pour l'humanité. J'ai vu des parents, à cause de l'oppression sorcellaire familiale, les pères eux-mêmes, les mères, ont perdu des vies pour protéger leurs enfants. Parce que la tontine réclamait que non, on a déjà mangé chez nous, maintenant aujourd'hui on vient chez toi. Maintenant, comme il aime ses enfants, il ne comprenait pas qu'au départ c'était ça le contrat, il est obligé de se sacrifier pour sa famille. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui subissent l'orphelinat à cause des réclamations, à cause de la sorcellerie, des parents qui étaient précipités même avant le temps. On peut parler aussi du martyr d'un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui va mourir pour la cause de toute l'humanité. On l'appelle aussi un sacrifice, mais c'est un martyr. C'est-à-dire, il se livre. Il dit, laissez ces hommes-là, mais prenez-moi. Nous pouvons voir dans la Bible, dans l'Exode, lorsque le peuple d'Israël était en disgrâce avec le Seigneur. Ils ont adoré le veau d'or. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de l'Éternel. Ils se sont prostitués avec les idoles. Ils sont engagés sur la voie du fétichisme. Alors, Dieu a dit Moïse, le peuple que j'ai fait sortir là est rebelle. Et il s'entête dans le négatif. Je vais le détruire sur la face de la terre et je vais te donner un nouveau peuple. Amen. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, il s'est interposé entre le peuple et Dieu. Il dit, mais regarde, tout ce que tu as fait pour eux en Égypte, les 10 plaies, ils ont été épargnés. Tu les as fait traverser la mer Rouge. Que diront les Égyptiens? Que leur Dieu les a fait amener au désert, donc c'est pour les tuer. Il dit, non Seigneur, si tu veux détruire ce peuple-là, détruis-moi. C'est mieux que tu me détruises. Amen. Moïse a pris la part et la cause du peuple. Il a dit, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, détruis-moi d'abord. Et Dieu aimant Moïse, il sait que c'est lui le prophète qu'il a envoyé pour sortir ce peuple. Il dit, bon Moïse, j'ai compris ton intercession. Mais désormais, celui qui péchera contre moi, alors c'est celui-là qui sera jugé et condamné. Amen. Moïse est le type parfait de Jésus. La même manière, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils comme un don afin que quiconque, n'importe qui sur la terre, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui accepte Jésus, il est passé de la mort à la vie. Même s'il meurt en terre, Dieu va le ressusciter au dernier jour. Voilà l'assurance, bien-aimé. La Bible déclare dans Hébreux 9 que le sacrifice de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Parce qu'au jardin, lorsqu'il y a eu les premières créatures, Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché de l'adultère et de la convoitise. Dieu les a chassés du jardin. Et à les chasser du jardin, ils se sont reproduits parce que c'était la parole qui devait s'accomplir. Amen. Et même en sortant du jardin, la Bible dit que Dieu lui-même avait égorgé des agneaux. Il a enlevé les peaux et il les avait habillés. C'était déjà la préfiguration du véritable sacrifice qui devait arriver des milliards d'années après. Il s'agissait ça là, du sang qui devait couler pour effacer et pardonner le péché de l'humanité. Alors le monde a évolué. Dieu, pour ne pas être toujours en contradiction et en jugement, en colère avec son peuple, il avait pourvu au sang des boucs, des agneaux et des taureaux. Et les gens ont fait de ça leur amusement, qu'à chaque fois quand il va pécher, il attrape l'agneau, il part mettre sur l'autel. On brûle, ça monte à Dieu. Il a péché, on prend le bouc, on égorge. Dieu a dit que non, ça, les gens prennent comme l'amusement et je ne peux pas les juger. Mais désormais,
il faut que moi-même j'aille régler cette affaire-là. Il faut que je prenne un corps, que je passe par une femme vierge qui n'a jamais enfanté, et c'est un corps saint qui va recorriger l'action qui a été posée au jardin, l'action de l'adultère, et cet homme-là doit naître sans péché, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pour anéantir totalement le péché de l'humanité. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre sacrifice parfait. Le sacrifice qui parle mieux que celui d'Abel. Le sacrifice qui parle mieux en faveur de ta vie. Même si tu as commis le péché, recommande-toi au Seigneur Jésus. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous avons aussi le sacrifice lié au don de vie d'un homme, comme nous avons compris. Nous avons le sacrifice d'expiation tel que le sacrifice du sang de Jésus. Voyez, voilà pourquoi dans la conclusion du livre de l'Apocalypse, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole, notre témoignage. Donc, bien aimé, le sacrifice est une réalité dans la vie du croyant. Mais il faut que tu arrives d'abord à comprendre qu'est-ce qu'on appelle un sacrifice. Premièrement, le sacrifice, c'est un don. C'est-à-dire quelque chose que tu sacrifies, que tu prenais d'une manière profane, toi-même tu ne le considérais pas, mais quand tu donnes à Dieu, ça devient maintenant sacré. Sacrifice vient de sacré. C'est quelque chose qui est dédié pour la cause du royaume. Et dans ce sacrifice-là, la Bible nous parle des offrandes, des dîmes et des actions de grâce. Nous allons tabler sur les trois ou les quatre sacrifices jusqu'au sacrifice de Jésus, pour que nous puissions réaliser qu'effectivement Dieu attend que nous puissions agir dans ses actions. Il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, quand on dit offrande, on dit dîme, les gens raisonnent, les gens réfléchissent, mais parce que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous allons voir dans la Bible que selon les rois, les gens comme l'Abraham, les gens comme les Noé, les gens comme les Salomon qui étaient riches sur la terre, même s'ils pouvaient prier Dieu en n'importe quelle manière, en n'importe quel temps, à la fin, pour conclure leur prière, ils avaient besoin d'un sacrifice. C'est une offrande. Et ils avaient la grâce de lever les bœufs, les moutons et les brebis, tel qu'Abraham, lui n'avait que les brebis, c'était un éleveur. Parce qu'Israël, c'est un peuple d'éleveurs. Mais toi, chrétien, tu ne veux même pas te tracher les mains. Tu ne connais même pas débrousser. Tu ne connais même pas battre, même sacrer, même planter, rejet. Non, un chrétien n'est pas un paresseux. Un chrétien, c'est un travailleur. Maintenant, quand on parle de la dîme et d'offrande, ce n'est pas forcément l'argent. La Bible parle même des vêtements, des tissus. Oui, parce que les gens mettent sur ma corps, tout c'est l'argent. Non, la Bible parle dans le livre de Deutéronome, Exode 23, 24, qu'on peut donner des vêtements, on peut donner même des légumes, on peut donner les fruits. C'est-à-dire tout élément que Dieu met à notre disposition, entre nos mains, ça peut constituer un sacrifice qu'on remet à Dieu. Ça peut être de l'or, de l'argent, même les pierres de diamant. Tu donnes un sacrifice à Dieu. Beaucoup raisonnent quand il s'agit même de rencontrer les personnes qui sont venues voir la sagesse de Salomon, les rois qui venaient sur la terre. La Bible déclare que quand ils venaient, ils apportaient des dons, ils apportaient de l'argent, de l'or, parce qu'ils voulaient voir la sagesse de Salomon que Dieu avait déversée. La Bible déclare que même dans 1 Samuel 9, que tu ne peux même pas rencontrer un homme de Dieu les mains vides. Même dans la maison de l'Éternel, ne viens pas aussi les mains vides, parce que tu dois rendre sacrifice, tu dois honorer, tu dois offrir quelque chose à Dieu. C'est la parole. Mais je sais, je comprends pourquoi aujourd'hui les gens raisonnent, les gens cherchent à réfléchir. Parce que ça fait partie du troisième commandement satanique. Parce que dans le plan de Satan, avec les satanistes de l'occultisme, ils avaient décrété que dites aux chrétiens de ne pas payer leurs dîmes et leurs offrandes. Il faut les rendre lourds.
Mais pourquoi le diable prend le dessus? Parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction attachée à la dîme et à l'offrande. Plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Et tu seras l'abondance. Tu verras que Dieu va s'en souvenir de toi. Que ce matin, là où il y avait une lourdeur, une sécheresse, Dieu t'accorde l'abondance, la bénédiction, la faveur dans tout domaine. Il y a des personnes quelquefois, tu touches 100 000, tu as 200 000, tu as 300 000, tu ne réalises rien. Pourquoi? Parce que tu vas donner quelque chose en sacrifice, en offrande dans la maison de l'Éternel. Fais-le même ce matin. Agis, mets Dieu à l'épreuve et tu verras qu'il agira en ta faveur. Parce que derrière le sacrifice, il y a une bénédiction. Que la bénédiction soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Parce qu'on a dit que non, tu seras marié, tu vas voyager. Non, viens donner une offrande quand il s'agit du service d'offrande. C'est là où tu regardes plus même. Ça, c'est vrai. C'est ça. Enseigner le peuple. Et c'est constant dans le monde entier. Quand le prophète dit, oh non, tu vas voyager, oui, tu sors 20 000, tu déposes. Mais pour l'offrande, tu donnes 500. Non. C'est l'offrande même qui parle pour ta faveur, qui parle pour ta famille, qui parle pour tes projets, qui parle pour tout ce dont tu as besoin. C'est l'offrande là qui va monter à Dieu. Tu as dit, Seigneur, regarde ma fille, regarde moi. L'offrande là va monter. C'est l'offrande qui va sécuriser tes biens. Pourquoi tu es la seule personne dans le quartier où les gens ne viennent pas voler? Mais c'est à cause de ton offrande. C'est que tu ignores. Je peux faire un témoignage aujourd'hui que depuis que je suis né, je ne connais pas l'énergie d'une perfusion. Oui, dans ma famille, je suis le seul. Je ne connais pas la perfusion. Mais parce que Dieu m'avait consacré et connu avant la fondation du monde. Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu des maladies, les pieds enflés, les inflammations, je dis ça sur le diable, tu as menti. J'ai eu le palu en 1996, j'étais en troisième. J'ai dit le palu, je suis allé à l'hôpital, on m'a donné les comprimés, on m'a mis une injection. Quand je suis parti à la maison, j'ai dit je ne repars pas à l'hôpital, je suis déjà guéri. Et depuis là, je ne suis jamais tombé malade pour qu'on m'amène urgentement à l'hôpital pour dire que non, voilà la perfusion. Jamais. Pourquoi? Parce que ton offrande va sécuriser ta santé. Ton offrande va sécuriser la santé de tes enfants. C'est une réalité. Ta dîme va parler pour toi et pour tes enfants, pour ta famille. Moi, j'ai vu des mamans au village. Les plantations à côté. Pour ceux qui connaissent les plantations. Vous, à Libreville, les plantations, c'est les Libanais. C'est ça vos plantations. Mais nous, on a planté le manioc, le tubercule, les taros. Et une maman, à cause de ce qu'elle avait planté, le régime des bananes, les voleurs venaient couper chez les autres. Mais comme à chaque fois, elle avait pensé le prier quelque part, que non, là aujourd'hui, j'ai récolté 10 régimes. Je prends un régime des bananes, je pars donner en offrande à la maison de l'Éternel. Et quand elle faisait ça, chez les autres, oh, on m'a volé 10 régimes. Oh, mais je vais faire comment? Mais je vais vendre quoi? La maman était joyeuse. Pourquoi? Parce que sa dîme est allée sécuriser ses biens. Sa dîme allait sécuriser sa plantation. Sa dîme a repoussé les voleurs. La Bible déclare que mettez-moi des sortes à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses, les cieux. Et je vais menacer le dévoreur, la sécheresse. Il y a des personnes que tu as donné l'argent par amour. Tu as dit, papa, tu es mon oncle. Voilà 5 000, voilà 10 000. Achète le savon, achète le sucre. Mais la personne, elle est incantée pour dire qu'avec son argent, il ne fera rien. Avec son argent, il ne va pas construire. Il va continuer à louer. Il va continuer à demander. Ce matin, à cause de ton action, à cause de ton offrande, à cause de ton sacrifice, Dieu va agir en ta faveur pour menacer le dévoreur, pour menacer les gens qui sont allés canter avec ton argent, pour te maintenir dans la certitude, et que ce matin tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, il n'y a pas de raison que tu pries. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes et tu ne vois pas la bénédiction. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que si tu donnes, tu seras béni. C'est ton jour de bénédiction aujourd'hui. C'est ton jour de faveur aujourd'hui. C'est ton jour de restauration aujourd'hui.
C'est le jour où ton action doit parler. Tu dois dire, Seigneur, que mon action, tous les actes que j'ai posés, que cela monte à toi aujourd'hui et parle à ma faveur aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Dieu regarde à tout. Toutes les actions que nous posons dans la maison de l'Éternel doivent forcément parler. C'est l'action qui attire l'action. Amen. Dis avec moi, l'action attire aussi l'action. Bon, Dieu dit fais l'action. Tu veux raisonner. Dis non, c'est pas pour le moment. Mais 50 000, j'ai le gaz, j'ai le riz à payer et j'ai le carter de poulet. Là, c'est un peu difficile quand même, le passé demande trop. Non, mon bien-aimé. Dieu a dit mets-moi à l'épreuve. C'est-à-dire, éprouve-moi. Mais il dit quoi dans Agé 2? Dieu dit, l'or et l'argent, ça m'appartient. Et moi, j'avais découvert même une écriture dans les psaumes où Dieu dit, il dit, si je vous demande même l'argent, ce que vous allez me donner là, ça n'arrive même pas à ma cheville. Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton or. Mais Dieu veut te bénir pour l'action que tu dois poser. En fait, c'est le moyen, c'est le canal que Dieu fera pour te bénir. Reçois la bénédiction ce matin. Reçois la bénédiction ce matin. Reçois la faveur ce matin. Que là où il y avait la sécheresse financière, là où il y avait les dévoreurs, même si un oncle, un parent a bloqué tes finances, il a amené ton argent dans le cimetière, il soit enterré sous terre pour dire que désormais tu ne pourras rien faire. Ce matin, j'envoie aussi les anges déterrer cet argent pour que tu viennes déposer dans la maison de l'Éternel. J'envoie les anges partout là où tu es né, dans ton village, dans ta maison familiale, dans ton quartier, peu importe le lieu, là où on a enterré ton argent, pour te garder captif, pour te garder dans la servitude, pour que tu sois toujours quelqu'un, prêt toujours à aller louer, pour toujours aller prêter de l'argent. Après ça te fait des problèmes, dette sur dette, emprunt sur emprunt. Ce matin, cette chaîne la tombe et que tu sois libéré de la servitude, de la condamnation, de la servitude, de la sécheresse financière. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur et dis-moi amen. Quand on parle du sacrifice, le plus souvent employé sous forme pronominale, comme on dit, c'est sacrifier, oui. Mais quand il s'agit du verbe sacrifier, alors généralement associé aux notions de dévouement, d'attachement, de renoncement. En fait, tu fais le sacrifice parce que tu crois à la cause. Tu comprends pourquoi tu veux réaliser un sacrifice. Tu es attaché à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, parce que tu crois que c'est la vérité de Dieu. C'est comme ça que Abraham, le père de la foi, je lui donne un enfant unique. Et je disais que Isaac, c'est aussi le type de Jésus. Parce qu'Abraham n'a eu qu'un enfant avec Sarah. Et Sarah est morte en 127 ans. À 127 ans, Sarah est morte. Et n'a plus d'autre enfant, Abraham n'a plus d'autre femme. La Bible déclare que si la femme avec laquelle tu es marié est décédée, tu es libre de te remarier. Là, tu n'es pas en adultère. Mais tu te sépares avec quelqu'un parce qu'il est dans la magie. Oh, dans la rose quoi. Tu te sépares, tu es en adultère. Pourquoi? Parce que l'homme avec qui, la femme avec qui tu étais marié, elle vit encore et tu croises quelqu'un, tu penses, non, lui aussi se met en adultère avec toi. Et Dieu dit quoi? 1 Corinthiens 6, les adultérins ne rentreront jamais dans le royaume des cieux. Je ne connais pas le divorce, ça c'est les hommes. Dieu dit ne te sépare pas de la femme de ta jeunesse et ne la trompe pas, sois fidèle. Dieu n'est pas dans la polygamie. Oui. Mais tu penses que non, oh, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Toi tu n'es pas Salomon. Tu as l'argent pour gérer les femmes là. Tu as d'abord quelle maison? Voilà. Tu loues encore, tu es encore chez les parents. Maintenant tu vas voir 10 femmes, 10 copines. Est-ce que tu as les moyens pour les entretenir? Et tu vas supporter les humains le matin. Elle te balance le café sur la veste. Tu es déjà prêt à aller au mariage. Comment tu vas réagir? Là, il faut maintenant voir le baptême du Saint-Esprit. Oui, acclame le Seigneur. Là, c'est une bonne brèche aussi pour toi. Oui. Acclame le Seigneur.
ici parce que tu as observé une soeur, un frère, et vous partez vous arranger au quartier. Oh, tu es ma femme. Est-ce que tu as d'abord vu les hommes de Dieu pour t'entretenir? Ça, c'est du banditisme organisé. Oui, nous voulons que la maison de Dieu soit dans la sainteté, dans la crainte, la sanctification, pour que le Saint puisse agir, afin que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, parce que les gens sont dans la sainteté et l'atmosphère est nettoyée par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui prennent beaucoup de brèches. Parce que tu as déjà ciblé 10 hommes. Un pour payer le taxi. Un pour payer l'école. Un pour t'envoyer les unités. Voyez. Et tu es là-dedans. Et tu dis que tu es chrétienne. Et tu es à l'église. Et tu veux poser ton offrande. C'est une offrande qui ne va même pas parler. Oui. Parce qu'il y a des offrandes qui parlent. Il y a des offrandes qui ne parlent pas. Que ton offrande parle ce matin. Au nom de Jésus. Eh ouais, papa Florent, c'est bon. Mais regarde Caïn et Abel. Bon, quelle est l'offrande qui a parlé entre Caïn et l'offrande d'Abel? Mais c'est l'offrande d'Abel. La Bible dit que c'est monté à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Que ton offrande, ton action de grâce monte à Dieu ce matin comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur au nom de. Et donc quand on parle du sacrifice ou de sacrifier, alors moi j'aime le latin ici, ça vient du terme latin sacrificar. Dis avec moi sacrificar. Et quand on parle d'offrande, ça veut dire offerandes, offeranda. Dis avec moi offeranda. Il faut comprendre que le sacrifice, en fait, n'a pas une grande différence avec l'offrande. C'est intimement lié. Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse. Oui, bien-aimé. Même s'il me reste 5 minutes, il faut que tu comprennes que le sacrifice est important pour toi et pour ta famille. Même pour tes projets. Moi, je connais un grand frère. À cause de ce qu'il a eu les problèmes avec nos propres oncles, toujours l'histoire des femmes. Et les femmes causent trop de dégâts dans les familles. Tu es avec l'oncle, tu es avec le neveu. C'est pas normal, ça c'est l'adultère. Et à cause de cela, quand l'oncle avait découvert ça, alors il avait prononcé des paroles. Mais et pourtant, c'est un agent de l'État. Et quand il avait prononcé des paroles à cause d'avoir touché sa femme, mais c'est la femme qui est venue le séduire. C'est comme la femme de Potiphar est venue séduire Joseph. Les chrétiens aujourd'hui ne peuvent plus résister devant le sexe. Ça, c'est leur élément farouche. Les chrétiens aujourd'hui sont trop plongés dans le sexe, dans la pornographie. Mais tu es quel genre de chrétien? Même les grandes personnes, ils sont torse nu, ils se baladent nus au salon avec un débardeur. Non, tu es un papa, ferme le ventre, ferme les cuisses. Tu es une maman, ferme les cuisses. Habille-toi convenablement. La Bible déclare dans 1 Pierre 3 que la femme s'habille d'une manière modeste. Est-ce que tu sais que la manière que tu exposes ton corps, ça mène un homme à la convoitise? Et Jésus dit quoi dans Matthieu 5? Il dit celui qui aura regardé et avoir des intentions que non, la femme là, regarde les formes, il a déjà commis adultère. Et le jour du jugement, tu vas te trouver avec 10 000 garçons derrière toi. On va te dire, l'ange de jugement va te dire, maman, ce sont tes maris. Tu vas dire, oh, moi je ne connais personne. Je ne suis pas allé. Non, il dit, même si tu n'es pas allé avec eux sur le lit, mais à cause de ceux qui t'ont convoité, ils ont convoité tes formes, tu es coupable devant le Seigneur. Et c'est dans ce sens que nous voulons que les chrétiens s'habillent convenablement. Des femmes respectueuses, des femmes honorables, les femmes qui ont le modèle de Esther. Oui. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'un des signes du temps de la fin, c'est la
communauté féminine. 90% des femmes investissent plus dans la beauté que même pour acheter une Bible. C'est bizarre. 90% des femmes préfèrent acheter un tissage de 150 000 que d'acheter une Bible de 3 000. Mais tu jettes ton argent dans l'eau. Viens jeter l'argent sur l'autel de Dieu et tu vas te rendre au centuple. Tu vas te rendre au centuple. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu te donne au centuple au nom de Jésus. Que ce matin, ce que tu donneras, ce que Dieu va pourvoir, ce que Dieu a donné, qu'il multiplie cela. Ça ne va pas tomber dans l'eau. Ça ne va pas aller ailleurs. Mais ça va agir sur ta vie. Parce que Dieu va te récompenser. Dieu va te bénir. Car le sacrifice attire la bénédiction. Le sacrifice attire la bénédiction. Que ton sacrifice personnel, le renoncement au péché, le renoncement à la moralité, attire aussi la faveur de Dieu. Acclame le Seigneur. Beaucoup de choses, mais à cause du temps, nous reviendrons pas à pas, parce que en fait la Bible déclare que mon peuple est en train de mourir. C'est-à-dire c'est un regret même pour Dieu, parce qu'il manque l'enseignement. En réalité, les vrais fils de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, doivent payer leur offrande, doivent payer leur dîme. Il dit, regardez dans le monde, au Gabon, chez nous, il y a des impôts pour les travailleurs. Mais à quoi servent les impôts là? Les impôts là servent à faire les routes, à construire les hôpitaux, à payer même les enseignants. Donc il en est de même pour le royaume des cieux. La dîme sert à payer les hommes de Dieu et à investir dans le royaume de Dieu. Donc si nous ne donnons pas la dîme, ça veut dire que le royaume de Dieu est bloqué. Il n'y a rien qui va avancer. On va faire l'évangélisation avec quoi? Amen. Pour avoir même les appareils, les micros. Mais il faut les offrandes. C'est à travers ça que nous achetons pour investir pour le royaume. C'est une épargne que tu es en train de faire sans le savoir. Dans le royaume des cieux. Même si tu as donné 500, tu as donné 1000 francs, 5000, 10 000. Mais maman, calcule durant le nombre de tes années, depuis que tu as cru au Seigneur jusqu'au jour de ta mort, ça fait combien que tu as cotisé dans le royaume? C'est ça la réalité. C'est une épargne spirituelle. Mais vous avez des comptes à BICIC, UGB. C'est pourquoi? C'est pour que demain, ça puisse te servir quand tu auras un problème. Pour le Seigneur, c'est pareil. Parce que le naturel typifie le spirituel. Ce que tu mets en réserve dans le compte de Dieu va t'aider. Quand tu seras malade, tu n'as même plus 100 francs. À une heure, l'enfant est vraiment en train de convulser. Deux heures, Dieu va regarder ton compte. Il dit, il y a 2 millions dedans. Mais toi-même, tu ne connais pas. Tu as ignoré les 500. La Bible déclare que même Jésus, quand il est venu au temple, il y avait une maman qui n'avait qu'une seule pièce. Les autres ont sorti les billets, les liasses, les dollars et les zéros. Je regarde dans cela parce qu'il veut se faire voir comme il travaille. Mais dans tous ceux qui ont donné là, la maman là, elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné ce qu'elle avait dans son cœur. Elle a mis Dieu à l'épreuve et elle a reçu au centuple de ce qu'elle avait. Acclame le Seigneur. Ce que tu donnes à Dieu, la Bible déclare que celui qui sème peu va aussi récolter peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas aussi récolter beaucoup. Tu seras même dépassé de tous les biens. Oh Seigneur, donc ça c'est ma richesse que j'ai réservée ici. Oui, cette richesse là doit parler. Quand l'enfant sera malade, c'est la pensée qui venait. Alors Dieu va toucher quelqu'un que tu ne connais pas. Peut-être qu'il te devait depuis des années. Un homme, une temps que tu as même oublié. Il dit, appelle ma fille, envoie-la 50 000 pour être telle monnaie. Tu es bloqué dans une situation, tu attends maintenant quelqu'un. Allô, oui maman, envoie-moi une telle monnaie. C'est comme, oh non, je vais seulement t'aider. C'est Dieu qui est passé par cet homme. Parce qu'il connaît que ton compte là-bas est rempli. Est-ce que tu as garni ton compte pour le royaume des cieux? Et ce matin, comprends qu'il y a eu, il y a plusieurs bénédictions attachées à la notion de sacrifice, à la notion d'offrande,
à la notion d'action de grâce, à la notion de dîme. C'est important pour les chrétiens. Parce que dans les quatre missions de Satan à l'église, c'est de refroidir les gens à ne pas payer la dîme et les offrandes. Moi, je parle avec conviction parce que c'est un sataniste qui a dénoncé à la réunion satanique. Satan les avait inculqués. Il dit que faites ça dans l'église. Refroidissez les gens parce que les gens pensent que la dîme, ça revient au pasteur, c'est le pasteur qui mange. Non, ce n'est pas un nom, mais c'est à Dieu que tu donnes. C'est ça. Satan a quatre missions dans l'église. La première mission, c'est que les gens ne lisent pas la parole. Voilà. C'est sa mission. Tu veux lire la Bible, Genèse 1, c'est le sommeil. Mais quand tu es devant Novelas, Nollywood, c'est 24 heures sur 24. Tu ne vois pas le sommeil. Là, c'est le diable qui te prend en captivité et tu ne connais même plus qu'il y a la prière à faire. Il y a des chrétiens qui sont devenus esclaves de WhatsApp, esclaves de Facebook. Mais à quel moment tu vas prier et tu vas lire la Bible? Une distraction. Oui, le chrétien ne doit pas ressembler au monde. Tu fouilles même quoi? Rien. Que les photos depuis 1900. Et les photos. Donc, si la, moi, je dis souvent que si la personne veut me filmer, quand je suis à l'église, il vient devant moi, il me regarde. Oui, c'est toi, papa. Il dit, ne me filme pas. Depuis que tu as commencé à prendre les photos, qu'est-ce que tu es devenu? Tu passes plus le temps. Les gens aujourd'hui, surtout la jeunesse, même pour manger, c'est les écouteurs. Même en train de travailler, c'est les écouteurs. Même pour dormir, c'est... Mais tu seras sourd dans 5-10 ans. Parce que les gens ne savent pas que ça a un impact sur l'audition. Ouais, les gens font le suivi. Et ce n'est pas normal pour les chrétiens. La Bible dit, soyez sages. Et ne soyez pas insensés. Un chrétien sage, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Et quel est l'avantage de ce qu'il fait? Est-ce que ça honore le Seigneur ou ça déshonore le Seigneur? Oui. Il dit, réfléchissez sur vos voies. Est-ce que tu réfléchis aux actions que tu poses? Non seulement dans ta vie, dans la maison de Dieu et même dans ta famille. Voilà pourquoi Dieu parle dans le sacrifice personnel du renoncement. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix lui-même et il me suit. Et la croix ici, c'est la parole qui doit te tailler, la parole qui doit te corriger, la parole qui doit te censurer. Car la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour redresser, afin que l'homme, la femme de Dieu soit préparé pour des bonnes œuvres. Voilà pourquoi on ne peut pas se taire, que les gens le veuillent ou pas. De Timothée qu'a dit quoi? Il dit, prêche la parole. Insiste à tout temps. Que l'occasion soit favorable ou pas, prêche la parole. Que celui qui est Dieu écoute la parole. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame encore le Seigneur. Alors, certains disent, du coup, raconter Dieu devient payant. Non. Quand tu veux raconter Dieu, ce n'est pas payant. Mais c'est une exigence, c'est une ordonnance, c'est une loi de l'Éternel. Oui. Même Saoul, il voulait chercher là où il y avait ses ânesses, perdues dans la plaine. Mais son serviteur, il a dit, maître, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai quelques pièces, il faut qu'on aille voir l'homme de Dieu. Et quand il a amené ses pièces, c'était pour honorer le service de l'homme de Dieu, honorer aussi son onction. Alors, il a montré que non, mais les ânesses que tu cherches, c'est déjà même retrouvé, c'est même plus la peine de chercher encore. On a déjà retrouvé tes ânesses. Manoah, qui était un homme de la Bible, un Israélite de la tribu de Dan, sa femme était stérile. Sa femme, en sortant dans les champs, va rencontrer un ange de Dieu, un homme de Dieu, qui va lui dire, maman, depuis que tu es avec ton mari, tu es stérile, tu n'enfantes pas, mais je viens de la part de l'Éternel. Alors tu enfanteras un enfant, aucun rasoir ne passera sur sa tête jusqu'à sa mort. C'est l'enfant qui viendra délivrer tout Israël. Et quand la femme a fini de raconter cet ange, alors elle est partie dire la nouvelle à son mari.
Son mari a dit que, oh, mais ça, c'est quel homme de Dieu? Il faut qu'on le rappelle. Il a appelé le Saint-Esprit, Seigneur, renvoie-nous l'homme de Dieu qui est venu parler à ma femme pour qu'il nous explique comment faire pour gérer cet enfant. Parce que c'est un enfant compliqué. Comment on ne va pas le coiffer? Comment on ne va pas le baigner? Comment il va rester avec les cheveux jusqu'à la mort? Mais peut-être on va mourir même avant. Si les gens viennent après, ils vont enlever les cheveux et nous allons déshonorer la parole de Dieu. Et quand il a prié comme ça, le même ange est revenu. Et Manoac a dit, bon, si tu es vraiment un homme de Dieu, attends que je t'amène une offrande. Parce que Israël était habitué à voir la présence de Dieu à travers une offrande. Comment ça se passait? C'était un sacrifice qu'on amenait, on déposait sur l'autel et le feu de Dieu descendait pour consumer. C'est-à-dire que Dieu a créé ton offrande. Et quand il a fait, il a dit non, attends, parce qu'il a pensé que c'est un homme ordinaire. Il voulait le préparer, le chevreau, refaire le rôti. Il a dit non, papa, moi je ne suis pas un homme de la terre comme vous. Si tu veux faire une offrande, fais une offrande à l'Éternel. Donc l'offrande que tu fais, l'action de grâce que tu fais, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour l'Éternel. Et cette offrande doit parler en ta faveur. L'action de grâce, c'est un signe de reconnaissance à l'Éternel, des bienfaits qu'il t'a fait. Il t'accorde la vie, il t'accorde la santé. Pendant la nuit, tu étais en train de dormir. Tu ne savais même pas là où tu te trouvais. Tu ne connais pas ce qui a volé dans ta maison. Mais ce matin, Dieu t'accorde le souffle de vie. C'est une grâce. Tu dois bénir le Seigneur pour ça. Seigneur, merci pour la vie. Parce que beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, désormais, ne viens plus voir des hommes de Dieu les mêmes vides. Et quand Manoac a posé cette action, l'ami déclare quoi? Que sa femme est tombée enceinte. Et l'ange a donné le nom de l'enfant, que cet enfant l'appellera Samson. Que Dieu te donne un enfant appelé Samson qui va défendre ta famille, qui va défendre la cause de ton foyer. Un enfant que Dieu utilisera à son service pour déployer le zèle de Dieu. En fait, de démontrer que les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui se sont humiliés, mais à cause de ton action, à cause de ton offrande, Dieu t'a agréé et t'accorde une bénédiction ce matin au nom de Jésus. Que là où les hommes t'ont rejeté, là où t'avais négligé, même si on t'avait attaché les trompes, même si les trompes sont bouchées, même si tu n'enfantes plus, depuis longtemps tu as fait un enfant, il a maintenant 20 ans, il a 25 ans, tu n'enfantes plus parce que tu as croisé un homme, les parents ne sont pas d'accord, la mère n'est pas d'accord, mais ce matin, Dieu t'a envoie la puissance de l'action de grâce, la puissance de l'offrande pour délier cette malédiction, pour te faire sortir de l'envoûtement et te délier de toute stérilité ce matin au nom de Jésus. Même si ton père avait dit que tu n'iras jamais en mariage, tu ne vas jamais être en parfaite santé, tu ne vas jamais enfanter, ce matin la malédiction sans cause est rendue nulle et sans effet. Une malédiction sans cause est rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Que là on a bloqué tes entrailles, même si on travaillait avec les selles, avec les urines, avec les cheveux, avec les ongles, avec ton sous-vêtement, ce matin, le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel, parle en ta faveur, parle en ta faveur, parle en ta faveur, et tu reçois l'enfant de la bénédiction, l'enfant de la faveur, l'enfant de la protection, l'enfant de la propriété qui va t'amener dans les voyages en Europe, aux États-Unis, partout, là où tu n'es jamais allé, cet enfant va combattre et va hausser tes épaules, va hausser ta foi. Cet enfant va t'accorder les bénédictions, que la porte qui était fermée soit ouverte, que les malédictions qui étaient déployées dans votre famille, que quand tu croises un homme, l'homme ne doit mourir. Quand tu croises un homme, tu dois te séparer. Ce matin, la malédiction est effacée par le sang de Jésus. Et tu rentres dans la bénédiction, tu rentres dans la bénédiction, tu rentres dans la bénédiction. Peu importe ce que ta tante avait dit, ce que ta grand-mère avait dit, même s'ils sont morts, même s'ils sont vivants, ce matin, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, le sang de la grâce, le sang de la nouvelle alliance parle mieux que celui d'Abel. Dans ta vie, dans ton mariage, dans ta santé, qui a décrété que chaque fin du mois, quand c'est le 25, quand c'est le 30, l'enfant tombe malade, toi-même tu es malade, tu es paralysé. Ce démon te libère ce matin, te libère ce matin, te libère ce matin, te libère ce matin. Désormais, tu dépenseras pour la cour du royaume. Désormais, tu ouvriras le compte dans le royaume des cieux pour investir. Et là, Dieu va s'en souvenir de toi. Il va t'apporter la bénédiction, la guérison, la santé, le relèvement, la restauration. Que l'humiliation te quitte maintenant. Que l'humiliation te quitte maintenant. Et que tu rentres ce matin dans la faveur, dans l'élévation, dans la grâce. Reçois la grâce, reçois l'élévation,
Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est possible à celui qui croit. La femme de Manoac, elle était déjà âgée. Sarah, elle avait déjà 90 ans. Mais Dieu a confondu la science. Dieu a renouvelé les hormones de Sarah. Dieu a renouvelé les hormones d'Abraham. Et il les a donné un enfant. Tu es dans une sécheresse financière. Les gens ne veulent même pas que tu puisses construire. Même quand tu achètes un terrain, tu ne peux pas avancer dans les travaux. Parce que les gens sont contre toi. Ils savent que cette maison va te rapporter de l'argent. Cette maison te rendra indépendante. Là où on a bloqué ton projet. Même ils ont pris la photo du terrain que tu allais acheter. Tu as dit à un oncle, tu as dit à un cousin, tu as dit à un parent. Et ils sont allés faire la réunion pour dire que non, il faut bloquer ce qu'elle veut faire. Ce matin, ce blocage-là est débloqué. Ce blocage-là est débloqué. Même ils ont pris la photo. Cette photo-là disparaît maintenant de leurs archives. Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Merci. Ok. Alors je voulais, avant de terminer ici, certaines personnes disent, est-ce que pour rencontrer Dieu, il faut que ça devienne payant? Oui. Ce n'est pas que tu payes pour voir Dieu, non. Mais c'est pour honorer, non seulement à l'homme de Dieu, mais pour obéir surtout à la parole. Regardez Abraham. Il n'a même pas sacrifié son fils. Il n'a fait que même le geste d'obéir. Mais pour ceux qui l'ont obéi, Dieu dit, je te bénirai ceux qui te béniront. Ta postérité sera plus nombreuse que le sable et les étoiles du ciel. Et ta postérité va dominer sur les terres où ils poseront leurs pieds et ils vont posséder les portes de leurs ennemis. Voyez les bénédictions. Deutéronome 28 dit quoi? Il dit, tu seras béni dans les champs, dans la ville. Même tes entrailles seront bénies. Tout ce que tu feras va prospérer à cause de ce que tu as obéi à l'ordonnance de Dieu. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Garder les commandements, c'est pratiquer la parole. Il dit, ne vous parlez pas seulement à écouter, mais aussi à mettre en pratique. Mettre en pratique, c'est poser une action devant le Seigneur. Et Dieu va agir en ta faveur. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des abus dans les hommes de Dieu que pour me voir, il faut 30 000, 20 000. Non! Laisse l'âme libre d'agir selon ce qu'il a résolu dans son cœur. La Bible déclare que chacun donne selon ce qu'il a résolu, que cela ne soit pas par contrainte ni par tristesse. Amen! Oui, ça aussi, il faut dénoncer. Parce qu'il y a qui disent que non, pour me voir, il faut 200 000, il faut 1 million. Non! Donne ce que Dieu te met dans le cœur. Et aussi, toi fidèle, ne viens pas aussi les mains vides parce que c'est le pasteur Eli. Non, parce que tu peux aller à la synagogue. Non, donne une offrande et Dieu va donner des bénédictions dans ma bouche pour te prononcer sur ta vie. Un chrétien doit être hospitalier. Abraham a été béni à cause de l'hospitalité. Mais toi-même, quand les frères viennent chez toi, tu ne veux même pas les recevoir. Même pour donner un verre d'eau, c'est difficile. Quand un homme de Dieu est bien reçu, mais voyez Melchisedec, quand il a été reçu par Abraham, Abraham voit trois personnes passer. Il dit non, les amis, je vois que vous êtes déjà fatigués, il y a la poussière, venez d'abord chez moi. Ma femme va vous faire le lait caillé et le chevreau au rôti, et vous allez manger et continuer votre route. Voyez, la Bible déclare que beaucoup ont reçu les anges sans le savoir. Toi, tu penses que non, c'est un homme, c'est le pasteur. Non, mais c'est l'âme de Dieu dans le pasteur Élie. Manoac avait reçu un homme, mais il pense que c'est un homme du quartier. Mais il dit, moi, je viens de la part de l'Éternel. Et ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Il te dit, tu auras l'enfant. Ne négligez pas les hommes de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de leur bouche. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Voyez? Et Abraham, lorsqu'il a fait, alors l'homme qui mangeait avec lui, Abraham, dans ta maison, là, il y a un grand problème. Depuis 90 ans, 100 ans, vous n'avez pas d'enfant. Mais à la même période, là, au mois de juin, ta femme aura aussi l'enfant à la même période. Acclame le Seigneur. Que cela soit ainsi, qu'à la même période aujourd'hui, ce 19 juin, où tu es convaincu de la puissance du sacrifice, où tu es convaincu de la puissance de l'action de grâce, tu es convaincu de l'offrande de la dîme, Dieu te rendra au centuple selon le désir de ton cœur.
Que cela soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Nous avons aussi notre prophète qui se sacrifie pour aller écouter la voix de Dieu et il se livre à Dieu pour nous. Comme Moïse l'a fait pour Israël. Quand il descend 40 jours, 3 jours, Dieu dit, remonte ici. Il descend 3 jours. 3 jours après, Dieu dit, remonte. En fait, la vie du prophète, c'est la vie de la montagne. Parce que derrière la montagne, il y a la révélation. Il y a un message caché derrière. Et nous avons notre bien-aimé, le prophète Emmanuel, qui s'évertue, qui se livre en sacrifice. Il se renonce lui-même. Il se prive pour que Dieu parle en faveur de ce peuple. Alors ce matin, il parlera à ta faveur. Dieu connaît les sujets que tu as envoyés et Dieu connaît ce que tu veux l'exprimer, que l'Éternel t'accorde selon ce que tu as demandé au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore l'élévation. Que Dieu vous remplisse au-delà de vos espérances et qu'il vous donne selon le désir de votre cœur. Au nom de Jésus, amen. Alors tu vas incliner ta tête pour dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Rien n'est impossible à toi. Je veux voir ta gloire. Accorde ce message sur la puissance de l'action de grâce, la puissance de l'offrande, la puissance du sacrifice. Je veux voir ta grâce, je veux voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Tu dis, Seigneur, ce matin, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Montre-toi à moi. Dirige-moi, Seigneur. Que mon action de grâce, que mon offrande, tout ce que j'ai posé dans ta maison, Seigneur, que cela parle en ma faveur. Que cela parle en faveur de ma famille. Que cela parle en faveur de mes enfants. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et invoque le nom du Seigneur. La Bible déclare que ses bras ne sont pas courts pour nous sauver. Son oreille n'est pas sourde pour nous attendre. Mais c'est le péché qui fait la séparation. Et ce matin, tu peux aussi te repentir pour dire, Seigneur, s'il y a des actions que j'ai posées qui ont éloigné ta grâce, qui ont éloigné ton esprit, Seigneur, pardonne-moi. Je viens à toi. Fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta gloire. Agis maintenant. Père, je viens à toi tel que je suis. Je sois un sacrifice vivant devant toi, un sacrifice saint et agréable à toi. Oui, j'ai posé des actions, oui, j'ai manifesté des œuvres de la chair, mais ce matin, pardonne-moi, car je veux voir.
manifesté dans l'ancien temps à travers les messagers, à travers les anges, à travers les prophètes. Je veux aussi voir ta gloire, je veux voir ta puissance, je veux voir ton autorité. Béni sois-tu, prête et prends le contrôle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, toi qui es roi, tu es puissant, tu es glorieux. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce matin, Père, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élévons et te magnifions. Parce que tu es le seul, l'unique et le véritable. Père, que cette parole ce matin nous ramène à toi, nous réconcilie avec toi. Car nous avons compris dans Romains 12, verset 1 à 3, que le premier sacrifice, c'est notre propre être. Détruis, Seigneur Père, le moi et l'ego, afin de nous soumettre à ta volonté, pour obéir à tes ordonnances. Bénis cette parole, convainc un homme, convainc une femme, que là où Père, l'ennemi les a trompés, qu'ils reconnaissent la voix de la vérité, et qu'ils agissent maintenant, en tout moment, en tout lieu dans ta maison, par les sacrifices, les offrandes, des dîmes et des actions de grâce. Béni sois-tu, règne et prends le contrôle. Nous recommandons la suite de ces instants en tes mains. Sois élevé et sois magnifié. Au nom de Jésus, nous disons trois fois Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que tu as été au parfum du message? Tu peux lever ta main. Gloire à Dieu. C'est ça le message. Bien-aimé, il faudrait que ce jour-là, tu sois convaincu de ce que tu as posé sur la terre. Il faut que tu retrouves ça au ciel. Amen. La Bible déclare dans Romains 8 que la gloire à venir, c'est-à-dire la gloire céleste, le repas des noces, le royaume des cieux, c'est supérieur aux souffrances du temps présent. La gloire à venir est supérieure aux souffrances du temps présent. Mais si tu t'investis pour le royaume, tu payes l'impôt de Dieu, Dieu va aussi s'occuper de toi. Amen. Et c'est cela qui fera avancer son royaume. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce message. Alors, nous appelons les hommes et les femmes qui ont compris que le seul sacrifice que Dieu a envoyé sur la terre pour délivrer l'humanité de la condamnation, du jugement et de la mort, c'est le sacrifice de Jésus. Le seul. Si tu l'acceptes, tu as la vie sauve. La Bible déclare que échappez-vous de cette génération perverse, parce que le Seigneur revient bientôt. Dans quel camp te trouveras-tu? Car les signes sont palpables. Les tensions, les guerres, les famines, les conflits, l'orgueil, la désobéissance, le péché qui abonde, ce sont les signes précurseurs du retour de Jésus. Alors Dieu t'appelle ce matin, bien-aimé. Ne regarde pas à ce que tu es, mais regarde maintenant au sacrifice que Dieu a pourvu pour l'humanité. Il dit, celui qui regarde à moi, je regarderai aussi à lui. Il dit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai aussi de lui. Alors si ce matin tu n'as jamais accepté le Seigneur, tu n'as jamais été baptisé en son nom, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus, tu peux lever ta main pour que tu fasses partie de ce royaume, que tu fasses partie des enfants de Dieu, que tu fasses partie des élus du ciel. Que Dieu, à partir de cet instant, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur, ton nom soit maintenant inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors ce matin, tu peux lever ta main. Tu n'as jamais accepté le Seigneur. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois adulte, peu importe l'âge, le salut est individuel. Ne regarde pas à celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas ton frère, ta soeur. Non, le jour de la mort, le jour du jugement, le pasteur ne sera pas là. L'église ne sera pas là. Mais tu seras en face du trône de Dieu. Et Dieu t'appelle ce matin. Il dit aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi dominer par le Saint-Esprit. Que Christ règne dans ta vie, dans ton cœur, comme Seigneur, parce qu'il est ton maître. Alors tu peux lever ta main, on acclame le Seigneur pour ces hommes et ces femmes. Est-ce que vous pouvez avancer ici? On va prier pour vous. La Bible déclare que même le ciel est content pour un seul pécheur qui se répand. Dieu, vous connaissez qu'aujourd'hui, vous devez être enseigné. Écoutez
que tu as fait dans ta vie. Le meilleur choix que tu n'as jamais fait depuis ta naissance. Le meilleur choix, c'est Jésus. Le meilleur choix, c'est Jésus. Car il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes sauvés et justifiés par la grâce au moyen de la foi. Jésus t'appelle ce matin, mon frère. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Dieu t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Il veut t'épargner de la mort. Il veut t'épargner des hôtels, des familles. Il veut t'épargner du jugement. Et il veut t'amener dans une demeure où lui-même il a préparé pour ses enfants. Une demeure où il n'y aura pas la mort, où il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura que la paix, il n'y aura que la vie, il n'y aura que la joie, la stabilité et la vie éternelle. C'est ce monde que Dieu a envoyé Jésus afin de nous ramener dans cette éternité. Tu es encore là, même si tu es derrière. Dieu t'appelle à l'accepter maintenant. Le savons. Jésus revient bientôt et il veut que tu l'acceptes maintenant en ces jours. Peut-être c'est la dernière fois que tu écoutes la prédication sur la repentance, sur le péché, sur le pardon, la grâce de Dieu, la faveur, la bénédiction. Tout est disponible pour celui qui croit. Il dit, venez à moi et je ne vous jetterai point dehors. Jésus a besoin de toi. Il veut te changer. Il veut renouveler ta vie. Il veut te transformer afin que tu sois aussi le témoin de sa parole, le témoin de sa résurrection. Jésus t'aime et il a la croix pour toi. Il t'appelle ce matin. Lève-toi de là où tu es. Dieu t'appelle. C'est la voix de Dieu. Ne regarde pas l'homme, mais regarde à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les bien-aimés ici devant? Acclame le Seigneur pour ces hommes, pour ces femmes. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus disait que le royaume des cieux, ne pensez pas que ça va descendre du ciel comme un spectacle. C'est parmi nous. C'est vous qui faites partie du royaume des cieux. Et Dieu n'est pas au ciel pour que tu dises qu'il va me amener là-bas. Les astronautes sont partis, ils n'ont pas trouvé. Il dit, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour dire, je vais prendre le bateau, leur bord pour aller au côté de la mer. Il dit, il est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est le trône de Dieu, la demeure de Dieu, l'autel de Dieu, c'est ton cœur. Il dit, je cogne à ton cœur. Si tu ouvres la porte, je vais rentrer et souper avec toi. Et déjà, ton nom est déjà dans le royaume des cieux, inscrit dans le lieu de vie. Alors, vous allez élever vos mains. Vous allez élever vos mains et prie avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens à toi, tel que je suis. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme. Prends-moi, Seigneur, transforme-moi, lave-moi, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité. Je reconnais mon tort, je reconnais ma culpabilité. Je suis coupable, Seigneur, de tout acte méchant et mauvais qui t'ont éloigné de moi, qui ont éloigné la grâce de moi. Mais ce matin, je viens à toi. Au pied de la croix, déposer tout fardeau. Tu sondes les cœurs et les reins. Je ne suis pas digne. Accepte-moi, Seigneur. Je t'appelle dans mon cœur. Et je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. Que ton sang ce matin me lave, me sanctifie et me purifie. Détache-moi maintenant, Seigneur, de la modernité. Et je vais t'accepter comme maître de ma vie et te servir. Te témoigner dans ta puissance de résurrection. Sois élevé et sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je viens recommander ces hommes et ces femmes. Toi, le Dieu de toute grâce, tu déclares que c'est moi qui vous ai choisi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Voici ces hommes et ces femmes qui viennent à toi, tels qu'ils sont. Je prie que tu les acceptes dans ton royaume, que tu les remplisses de ta grâce. Que tu les remplisses, Seigneur, de ta bonté, de ta faveur. Je prie qu'ils soient désormais consacrés à toi, qu'ils te servent et que tu les libères de toutes les formes de malédiction, toutes les formes de contrôle, tout esprit et toute entité, tout hôtel de famille qui contrôle leur vie, les libère maintenant au nom de Jésus. Que toute entité maléfique libère leur vie et que désormais soient consacrés à toi et qu'ils te servent, qu'ils soient aussi les témoins de ta résurrection.
et qu'il aille aussi témoigner ta puissance. Que le don que tu as mis à chacun puisse maintenant s'investir pour ton royaume. Bénis-les, guide-les et conduis-les. À toi la gloire et la puissance. Au nom de Jésus, nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Acclamons le Seigneur pour ses bien-aimés. Alors, nous avons au sein de l'église synagogue un programme de suivi sur les enseignements du baptême. Acte 2, 38 est clair, Luc 24 et aussi Acte 19. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur ont été baptisés dans les eaux par immersion au nom du Seigneur Jésus. C'est le baptême chrétien. Parce que Jésus, c'est le nom de notre époux. Tu ne peux pas aller à la mairie et rester toujours avec ton nom. Non, c'est là où tu deviens maintenant chrétien et chrétienne. Chrétien vient de Christ. Donc, nous sommes ici lundi, demain, à partir de 15h30. Venez pour des enseignements sur le baptême. Je crois qu'on a déjà un premier groupe. Vous serez le troisième groupe et d'ici fin juin, sinon le 15 juillet, nous allons procéder à la séance de baptême là au niveau de Barracuda. Amen. Donc pour l'instant, vous allez chez les mamans de l'évangélisation, vous donnez le nom, le numéro et demain à 15h30, nous serons ici pour des enseignements ciblés sur le baptême au nom de Jésus. Vous pourrez poser des questions, ainsi de suite, nous serons là demain disponibles pour vous entretenir. On acclame le Seigneur pendant qu'ils vont donner les noms. Allez dans les couloirs, allez dans les couloirs, allez dans les couloirs. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors, je vais profiter aussi, je vais profiter pour quelques annonces avant que l'homme de Dieu ne fasse son entrée. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont venus pour raconter le prophète. Mais tu as d'abord raconté la parole. Mais la parole, c'est le prophète. Ouais, je sais que les gens ignorent. Voilà pourquoi les apôtres voulaient confondre que non. Oh, depuis longtemps, tu nous parles de ton père. Oh, mon père a dit. Oh, mon père va m'envoyer. Oh, il va venir. Montre-nous aujourd'hui ton père là, et puis on ferme la bouche. Il a dit quoi? Il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Et vous ne savez pas que je suis dans le Père, et le Père en moi, mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Quel Père vous cherchez encore? Hein, Thomas? Amen. Jésus est Dieu lui-même incarné. Amen. Voyez, ça dit quelquefois, les jours que vous attendez Dieu, peut-être il vous a déjà même précédé, mais vous ne le savez pas. Parce que les gens qui ont signé un contrat que Dieu ne peut venir que quand le prophète est là à 13h30. Mais le prophète est déjà depuis 9h30, il est déjà là, il est en train d'opérer. Et quand tu es à 13h30, le prophète n'est plus. Amen. Je sais que son onction va impacter votre vie et que le message que Dieu l'a communiqué touche et révèle tout ce qui est caché et que la bénédiction soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors j'ai quelques annonces. Dernièrement, hier on avait voulu raconter tous les anciens. Malheureusement, il y avait beaucoup d'absents. Mais nous avons envoyé dans le groupe des anciens et nous aurons réunion avec tous les anciens de l'église synagogue du Gabon de Libreville le premier mardi du mois de juillet. Tous les anciens de l'église synagogue, soyez là. Tu es ancien, tu es responsable du département, sois là le premier mardi du mois de juillet. Amen. Ouais, il faut que les anciens comprennent ça. Parce que quelquefois, nous devons dire au pasteur, on a dit quoi? Amen. Alors, non, c'est 16h, c'est 16h. Parce que là, c'est les vacances. Moi, si je suis un peu libre là où hein, je fais un peu l'alphabet, on est déjà un peu libre là-bas. Amen. Voilà, donc on a donné au moins un mois, on se repose aussi. Voilà. Amen. Alors, nous avons la poursuite des cours de baptême, comme je disais tout à l'heure. Les cours de baptême, c'est tous les lundis de 15h30 à 18h. Donc, c'est des enseignements qui sont dispensés pour ceux-là qui ont accepté le Seigneur, c'est tous les lundis. Et les cours d'affermissement, c'est le mercredi à partir de 16h. Alors, les entretiens des hommes de Dieu se poursuivent de lundi jusqu'à samedi de 10h à 18h.
tu as été localisé. Tu vis des situations dans ta maison, dans ta famille. Tu as des problèmes d'enfantement. Tu as des problèmes dans ton foyer. Viens lundi à samedi. Les hommes, ils sont là, il y a des équipes déployées pour vous recevoir, vous suivre et vous donner un travail spirituel à faire. Il y a beaucoup de témoignages dans le suivi. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé que tu auras l'enfant, tu dis oui, tu vas t'asseoir à la cuisine, tu manges le bouillon, oh oui, j'ai déjà l'enfant, le prophète a parlé. Non, tu as un travail à faire. Il faut secouer le trône, il faut importuner Dieu. Que Seigneur, c'est toi qui as parlé. Voici, je jeûne aujourd'hui. Voici, je prie. Je veux voir maintenant ce que tu as dit. Ouais. Mais pourquoi les Manoac, pourquoi les Gédon, ils ont dit que si c'est toi l'ange de Dieu, moi je veux voir si c'est toi, je vais amener d'abord l'offrande, je veux voir si c'est toi. Ils les ont mis à l'épreuve. Et ils n'ont pas peur des anges. Hein, parce qu'il y avait aussi les faux anges. Amen. Mais quand ils amenaient l'offrande et ils priaient, Dieu consumait l'offrande, ils étaient convaincus que non, ça c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Donc tu as un travail à faire, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de témoignages et nous pourrons vous entendre dans ce sens. Donc c'est tous les lundis à samedi, 10h, 18h, les cas de suivi, les personnes qui sont localisées, c'est vraiment important. Ne t'arrête pas seulement à dire que non, tu as localisé, c'est fini. Non. Tu ne sais pas que même dans le monde spirituel, lorsqu'on prophétise du bien sur toi, tous ceux qui sont présents là, il y a les agents sataniques. Ça, c'est la vérité. La semence du diable est partout. Dieu parle du bien, il bloque ça. Même Daniel, qui était le prophète, l'ange de Satan, il a bloqué sa bénédiction, non? Il dit, je veux voir là où Dieu va te bénir. Daniel a fait 21 jours. Il dit, mais depuis longtemps, j'ai prié, mais ça devait déjà venir. Oh, il savait qu'il y avait une bagarre entre le roi de Perse et l'ange Michael là-bas. Amen. Et quand l'ange de Dieu a combattu, Daniel a reçu la bénédiction. Voyez? Il dit, même si la prophétie tarde, attends-toi, assurément, elle finira par s'accomplir. Quand on dit attends-toi, ce n'est pas pour dire que ne va attendre à la maison. Non, c'est prier, c'est jeûner, c'est poser des actions de grâce, c'est faire des offrandes, c'est venir à l'église, prier le Seigneur. Tu peux même dormir sur l'autel. Tu dis aujourd'hui, Seigneur, je vais dormir ici à l'église, je vais voir ce que tu as dit à travers ton serviteur. Mais c'est ce que les femmes comme les ânes ont fait. Elle a dit, moi je ne reste plus au quartier, ma rivale c'est moi je pars à l'église. Mais quand elle a fait, elle a trouvé la solution. Que cette solution soit aussi pour toi au nom de Jésus. Voyez, donc le prophète ne serait pas disponible à tout moment pour recevoir 3000 personnes. Non. Dieu, quand il a appelé Moïse, il a mis aussi les collaborateurs, il a mis 70 anciens pour gérer les autres problèmes. Maintenant, quand ça dépasse, on dit, maman, demain tu rencontres le prophète. Voyez que c'est même plus facile. Amen. Voilà, on fait la doléance, on voit le déjeuner de cabinet pour papa. Voilà, on a reçu 30 personnes, dans les 30, il y a 10 qui veulent urgentement raconter le prophète. On donne directement le nom. Mais tu n'es même pas là. Amen. Tu remplis les modalités. On t'appelle que viens, le prophète t'attend. Le jour que tu ne t'attendais même pas. Amen. Donc c'est comme ça que nous voulons travailler pour ne pas que les gens soient lésés. Et vous allez forcément trouver gain de cause. Amen. Alors, dernièrement, on a donné l'annonce sur... L'intercession, c'est vraiment important, important, important. Et j'ai déjà une liste de 20 personnes. Nous voulons encore rallonger. À la fin du culte, tu es intéressé par l'intercession, non seulement pour toi-même, pour ta famille, pour tes projets. Alors, à la fin du culte, ne pars pas. Tu vas t'asseoir du côté des anciens pour que nous puissions ajouter ton nom. Tu veux être dans l'intercession de l'Église. Tu veux intercéder aussi pour toi. On aura des enseignements. Comment intercéder et pourquoi et quels sont les différents sujets. Nous allons avoir des enseignements là-dessus, sur les prières. Ça fera aussi que même si tu n'as jamais prié, tu es obligé d'intercéder, de donner la prière, parce que la prière, c'est la chose sacrée du chrétien. La prière, c'est la chose sacrée du chrétien. C'est la prière qui sécurise ta vie. C'est la prière qui fait que tous les complots du diable puissent échouer contre toi. Il y a des gens qui ne prient jamais. Oh, parce qu'on a prié à l'église, c'est bon. Non! Mais tu sais là où tu dors, tu sais sur qui tu dors. Parce que les esprits sont partout. Les esprits ne meurent pas. Le corps là meurt, mais les esprits ne meurent pas. Voilà. Amen. Donc à la fin, tu es intéressé par l'intercession, vois le pasteur ici, pasteur Eli à la fin, pour qu'on mette ton nom. Le jour n'est pas encore trouvé.
Nous sommes encore en train de faire le recrutement et à la fin, s'il y a au moins 30-40 personnes, on communiquera le jour des enseignements et entamer et faire les différents groupes pour l'intercession. Amen. C'est important. Il y a des mamans ici, je sais, qui prient spécialement pour les hommes de Dieu. Mais il faut comprendre que la plus grande prière aussi, c'est quand tu pries pour quelqu'un d'autre. Ça dit, laisse d'abord tes problèmes. Tu dis, Seigneur, bénis le pasteur Eli. Donne-lui la force. Quand il va prêcher, les gens doivent accepter le Seigneur. Les malades doivent être guéris. C'est ça, intercéder. Combien de personnes dans cette église sont à 3000 qui prient même pour les hommes de Dieu? Ce n'est pas normal. Et nous avions besoin de ce feu-là. Amen. Et ça va aussi vous entraîner dans votre propre prière. Tu pourras te retrouver maintenant un jour, tu fais maintenant 3 heures de prière. Tu fais maintenant de 24 heures à 6 heures. Tu ne vas pas te retrouver parce que tu sais que non, tu as été entraîné dans la prière. Ce n'est plus toi, c'est maintenant l'Esprit qui parle. C'est ça. Amen. Et moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de papa qui étaient dans la prière. Oh non, tu es locataire. Oh non, la maison la chauffe. Oh, il faut que tu trouves un autre logement. Oh, je trouve le logement comment? Oh non, parce qu'il y a le feu ici. Non, maman, moi j'ai pris, je suis chrétien, moi je ne sors pas. Il y a des barrières qui ont chassé les chrétiens à cause de la prière. Parce que ça vient bouger leur fétiche dans la maison. Voilà. Et il y a des barrières qui sont des maris, des femmes venus pour leurs locataires. Oui, on a découvert ici dans la délivrance. Des choses réelles. C'est-à-dire quand il vient, tu es une femme de prière, il trouve maintenant que c'est Jésus avec l'épée. Mais il est obligé de fuir que non, maman, tu pries au la synagogue. Bon, j'ai compris que quand même, je vais arranger maintenant la peinture. Je vais arranger la peinture. Il trouve la raison parce qu'il veut que tu libères. Mais son mari, non, il veut arranger la peinture, mettre les carreaux. Je vais changer les carreaux là. Parce qu'il a compris que non, il t'a visité, il ne t'a pas vu. Voyez? Sache que ta prière met la colonne de feu autour de là où tu dors. Oui. Si quelqu'un tente, il va se brûler au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ok. Alors, faites des dons aussi aux hommes de Dieu, c'est important. Quand on parle de l'action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est des vêtements, c'est toute action que tu peux poser. On n'a pas dit que forcément dans la maison de Dieu, mais même à un pauvre, à une veuve, aux orphelins, c'est une action que tu es en train de poser. Dieu regarde, dit la meilleure religion, c'est s'occuper des veuves et des orphelins. C'est ça aussi l'action de grâce. Ça dit quand tu pries, les Daniels, les Corneilles, ils ont été exaucés. Dieu a dit, j'ai écouté ta prière, j'ai vu aussi tes sacrifices. Voyez, le sacrifice accompagne la prière. Amen. Oui, voilà pourquoi Abraham, il prie, il prie. Il part attraper le mouton, il brûle. Et ça monte à Dieu. Oui, Salomon, il a prié, prié. Il a égorgé près de 3000 bœufs. Si on te dit, amen, le bœuf, c'est 1 million, 200 ou 2 millions. Tu as trouvé le bœuf ici à Libreville. Tu as dit non, l'église m'a demandé le bœuf comme sacrifice, je n'amène pas. Non. Mais Salomon, il a égorgé 3000 bœufs dans 2 Chroniques 7. Tu vas lire ça. Hein? Oui, Salomon, il a fait des grands sacrifices. Et là, Dieu n'a pas dit que Michael descend, Gabriel descend. Dieu lui-même est descendu. Il dit, Salomon, ton offrande a secoué mon trône, même la couronne a bougé, demande-moi ce que tu veux. Parce que Salomon a posé une action, un sacrifice de grande envergure. Non, ne regrette pas ce que tu poses dans la maison de Dieu. Dieu a dit, Salomon, c'est moi Dieu devant toi. Tu me demandes si c'est le trône ou la terre, je te donne. Salomon, les gars, dit, non, mais l'argent, ça va finir. Mais les femmes, ça va passer. Mais même si c'est le Boeing, je vais te priver. Non, je vais faire le crash là-bas, on va dire, Salomon est mort. Seigneur, donne-moi la sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse ce matin au nom de Jésus. Et c'est vrai que Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu savait le cœur de Salomon que non, c'est un roi, il faut qu'il soit riche. Dieu lui a donné l'or, Dieu lui a donné l'argent. Il a touché le monde entier, car laisse-y bénir mon fils. Et cela a amené l'or, ils ont amené l'argent, les diamants pour bénir Salomon. C'est le roi le plus riche de la terre jusqu'à aujourd'hui. Même Bill Clinton, il n'est pas riche. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, il y a une puissance, il y a une bénédiction attachée au sacrifice. Et nous voulons que les chrétiens aujourd'hui agissent dans ce sens. Tu n'es pas obligé de le faire pour le pasteur. Non, fais même pour les enfants du pasteur, fais même pour quelqu'un dans la rue. Oui.
que tu vois que non, lui là, il est vraiment démuni. Mais dans la rue aussi, il y a les agents sataniques. Quand il va te demander 50, il va bloquer ça que non, la mamba là ne fera rien. Prie d'abord, je mets ma pièce dans le sang de Jésus et tu remets. Quand il va aller canter, ça ne va pas tenir. C'est des réalités. Parce que le diable, il est partout. Hein. Voilà. Donc il faut marcher avec intelligence, avec vigilance et discernement. Amen. Alors nous voulons sensibiliser aussi les membres de l'église synagogue, surtout les membres des départements, pour toute forme de projet lié aux fiançailles, aux présentations et au mariage. Veillez vous rapprocher des anciens ou des hommes de Dieu du corps ecclésiastique en vue d'organiser un suivi. Amen. C'est très très important. Tu sais que tu fréquentes une sœur, rapproche-toi des hommes de Dieu, ils sont ici de lundi à samedi. Car papa, voilà, j'ai mes yeux posés sur ce frère, j'ai mes yeux posés sur cette sœur. Alors, est-ce qu'on peut trouver un jour pour vous rencontrer? Et là, on va s'organiser pour aller déjà faire l'entente, d'abord avec vous, la famille, pour organiser les choses convenablement. Amen. Voilà, l'église, c'est une maison de sainteté. Voilà pourquoi Jésus, quand il rentre, il a trouvé le désordre, le scandale, il a enlevé la ceinture pour fouetter ceux qui vendaient, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans le péché dans sa maison. C'est un endroit saint. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse qu'enlève même tes souliers là. Ce n'est pas la peine de venir avec ça ici. Amen. Oui. Donc nous voulons suivre vraiment ces couples-là qui veulent s'engager et qui veulent mettre les choses en ordre selon la parole de Dieu pour que ça soit dans les normes et nous allons les consacrer ici à l'église. C'est vraiment important. C'est ça aussi l'évangile. Amen. Il n'y a pas que la parole, mais il y a les mariages, il y a les guérisons, il y a les bénédictions et c'est vraiment important. Donc ne reste pas avec une sœur longtemps. Tu l'as déjà donné 3-4 enfants. Après, tu changes d'avis, tu pars ailleurs. Bon, maintenant, le temps qu'elle a passé avec toi là, tu vas faire comment? Voyez? Ouais, là, c'est ça là. Hein? Tu fais la promesse à la sœur que oui, je vais t'épouser. Maintenant, il attend que non, Aminoubé, tu as une autre sœur là-bas. Voyez? Ça, c'est la tromperie, c'est du banditisme. Et c'est ça le vrai paganisme dans l'église. Et c'est pas normal pour les chrétiens de vivre dans la fornication, le péché, l'impudicité. Tu es contre ça. Oui, c'est la parole, que tu le veuilles ou pas. Nous avons dit que nous-mêmes devons être comme un sacrifice vivant saint et agréable. C'est ça la parole. C'est ce que Dieu veut. Donc ne parle pas fisolé. Oh, maintenant tu envoies les photos, oh, les cœurs et tout ça. Et jusqu'à des chrétiens aujourd'hui qu'on voit qui envoient des photos nues. Mais fais les pornos. Entre dans ta chambre, mets-toi nu, tu te filmes. Ça, c'est une honte pour les chrétiens nés de nouveau. Tu n'es pas fatigué de suivre les filles porno, mais filme toi-même. Va à la douche, à la chambre, tu te filmes, tu te mets nu. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'abomination de la maison de Dieu. Et toi, la soeur, quand tu vois ça, appelle le pasteur Elie. Voilà, tel frère m'a envoyé sa photo. Je vais le convoquer ici. Oui, oui, ça c'est clair. Il y a des gens qui vivent dans les copinages, les copains, dans l'église, et ils ne sont pas venus voir les hommes. C'est pas normal. Voilà. Et ça met la jalousie, la guéguerre et la haine dans la maison. La prière ne peut plus être exaucée. Oui. On veut des choses claires. La vie chrétienne, c'est une vie de transparence. Il n'y a rien à cacher. C'est tout. Acclame le Seigneur. Voilà. Hey. C'est comme ça que nous voulons marcher ici. La Bible déclare que quand le Seigneur viendra, quand il te regarde, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui te reproche. Voilà, tu rentres tout droit. Même les anges qui voulaient te retarder, ils vont regarder, oh, mais elle est passée, mais elle est passée. Oui, moi je rentre dans la gloire. Amen. Et acclame encore le Seigneur. Pouf. Après siéger aussi avec les anciens, vu le statut et règlement intérieur de l'Église, pour des raisons de discipline.
que dénoncer les œuvres stériles des ténèbres pour que cela aussi puisse apporter la crainte à ceux qui veulent s'engager sur les mêmes voies. Voilà. Et un chrétien doit marcher dans la crainte de Dieu, l'obéissance et le respect des principes. C'est là où Dieu t'accordera aussi le baptême du Saint-Esprit si tu obéis à sa parole. Amen. Donc, que Dieu bénisse. C'est ça le message de Dieu. Il faut être content. La Bible déclare que Dieu est celui qui blesse. Il est celui qui aussi soigne aussi. La parole de Dieu, Dieu nous corrige comme un père corrige ses enfants. Que ça te fasse du bien. Que ça te fasse du mal. Viens aussi sceller que oui, Seigneur, je crois que ta parole a vérité. Aide-moi, Seigneur. Voilà. C'est tout. Dieu nous corrige à travers la parole. Et on doit se soumettre à sa volonté. Qui sommes-nous pour nous rébeller devant la voix de Dieu? Non. Amen. Acclame le Seigneur. Alors tu peux te lever. Tu peux te lever. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer? Si ce n'est pas. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Yeah.
soir et acclamer pour ta bénédiction, pour la grâce, pour la faveur, pour la victoire. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Si tu as été béni ce matin, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à célébrer pour Jésus? Est-ce que tu peux célébrer, célébrer, célébrer le ressuscité des ressuscités? Le Dieu au-dessus de tous les dieux. Si la parole de ce matin apportait quelque chose en toi, si tu as été béni par le canal de cette parole, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur de là où tu es. Est-ce que tu peux ce matin au nom de Jésus? J'aimerais que tu puisses mettre ta main sur ta poitrine et commencer à prier ton Dieu en disant à Dieu que cette parole que tu as reçue ce matin puisse apporter quelque chose de bon à l'intérieur de toi. Que cette parole que tu as reçue ce matin apporte la vie à l'intérieur de toi. Élève ta voix et prie, commence à prier le Seigneur. Seigneur, la Bible déclare au commencement, c'était toi, et tu étais au commencement, et tu es toujours Père. C'est la raison pour laquelle, Père, alors que nous avons entendu ta parole ce matin, que cette parole produise en nous des fruits, que cela apporte encore, Seigneur, quelque chose de bon à l'intérieur de nous. Que cela, Seigneur, régénère notre âme, notre esprit, Seigneur, et apporte la vie à notre corps physique au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, ce matin, Seigneur, que toi seul, tu puisses encore prendre le contrôle de cette parole. Car la Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec toi. Et la parole c'était toi. Seigneur, nous prions que par le canal de cette parole que nous avons entendue ce matin, que cela apporte encore, Seigneur, des fruits en nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, que nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es certainement arrivé, certainement en retard. Tu es certainement arrivé en retard, tu n'as pas pu apporter ton offrande. Tu es prié sur la conduite des chantres et de l'accueil de venir déposer ton offrande. Et pendant que tu viens déposer l'offrande, que toutes les personnes qui ont un témoignage, Dieu a certainement fait quelque chose dans ta vie. Tu es prié de pouvoir te rendre à la communication afin de pouvoir t'enregistrer, afin de venir faire part à ton témoignage. Tu es prié de pouvoir venir donner ton offrande. Je lève mes mains juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que je vienne le louer. Tu as certainement un témoignage. Tu es prié de pouvoir te rendre à la communication afin de faire part d'un témoignage. Un homme de Dieu a prié pour toi. Tu as reçu la guérison. Tu as reçu la restauration de ton corps physique. Tu as reçu certainement une guérison quelconque. Tu es prié de te rendre à la communication pour faire part d'un témoignage. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi.
déclare, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus, mais aussi par la parole de leur témoignage. C'est la raison pour laquelle tu es ici. L'Éternel Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et en ce jour, tu veux rendre gloire à Dieu. Tu veux certainement témoigner la gloire de Dieu. Tu veux certainement témoigner les bienfaits de l'Éternel Dieu dans ta vie. Il t'a certainement exaucé par le canal des noms de Dieu dans ce ministère. Notamment, certainement, le pasteur Élie, l'apôtre Matthieu, l'apôtre Florent, etc. Et tu veux certainement rendre gloire à Dieu ce matin. Je prie de pouvoir te rendre à la communication pour faire part à ton témoignage. Car la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, mais aussi par la parole de leur témoignage. Bien-aimé, pendant que tu viens rendre témoignage à Dieu ce matin, tu es en train de remercier Dieu de sorte qu'il t'a exaucé. Tu es en train de bénir l'Éternel Dieu par le canal de ton témoignage. Certainement, il y a une personne aussi qui passe des difficultés auxquelles tu avais fait face. Certainement, il y a une personne aussi qui est troublée, qui vit certainement la dépression, les addictions que Dieu t'a sorties. Et ce matin, tu es prié de pouvoir venir rendre gloire à Dieu. Alors que tu viendras témoigner ton Dieu ce matin, tu vas fortifier la vie d'une personne. Tu viendras fortifier la vie d'une personne. Et tu viendras encore redonner le courage à cette personne-là qui est là, à cette personne-là qui est troublée, à cette personne-là qui est malade, à cette personne-là qui vit des difficultés. C'est la raison pour laquelle je veux faire appel à toutes les personnes qui ont un témoignage. Et pendant que ces personnes sont en train d'avancer, je vous prie un temps soit peu d'acclamer le Seigneur. Acclame ton Dieu ce matin. Donc tu n'es pas en train d'acclamer dignement l'Éternel Dieu. On parle d'une divinité, on parle d'un être supérieur. Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, je suis en train de te rassurer que tu es aussi la prochaine personne qui viendra témoigner la gloire de ton Dieu. Tu es aussi cette personne qui viendra rendre le témoignage de Dieu. Car je crois que pendant que tu es en train d'acclamer en ce jour, Dieu est aussi en train de pouvoir faire un témoignage dans ta vie. Dieu est aussi en train de pouvoir entrer en contact avec ta vie afin de pouvoir te bénir. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire appel aux témoins, des personnes qui ont un témoignage, des personnes qui désirent témoigner la gloire de Dieu. Tu es encore certainement assise ou assis certainement. Et tu reconnais intérieurement que Dieu t'a exaucé, que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, que Dieu a opéré un miracle dans ta vie. Tu es prié toutefois encore de pouvoir avancer afin de témoigner la gloire de Dieu. Comment avancer ? Shalom moment, vous allez vous présenter et en 5 minutes, vous allez dire ce que Dieu a fait pour vous. Shalom Dieu, je me prénomme ma Pessie Julienne, je suis à la synagogue depuis le 28 mai 2019. Donc aujourd'hui j'ai un témoignage, vraiment je rends grâce à Dieu. Je bénis ce Dieu que nous prions ici là. Dieu exauce nos prières. Ses yeux sont fixés sur nos vies et sur nos familles. Si je suis debout aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Dieu avec cet enfant-là. Pour les gens qui connaissent Toum, en allant vers Coco Beach, l'enfant-là est chez sa mère depuis 2 ans. On l'avait d'abord pris quand il avait 6 ans et 6 mois. Donc on a gardé l'enfant de 6 mois jusqu'à 7 ans. La mère est venue récupérer l'enfant. Il a appris que je veux garder mon enfant, c'est mon enfant, je n'ai pas refusé. Donc, il était là-bas chez la mère. Il a fait 2 ans là-bas. Pendant les vacances, là, ils habitaient en Zion. Donc, le père a pris et la mère et l'enfant, ils sont allés en Toum, chez la mère de la grand-mère de celui-là. C'est comme ça, arrivé là-bas, le père a pris le bulletin. Il a appelé la femme pour dire que non, l'enfant, j'ai pris le bulletin de l'enfant, mais l'enfant n'a pas gagné. C'est comme ça que la mère prend l'enfant le matin. Donc jeudi, à 9h, elle part à la maison, elle chasse l'enfant de la maison. L'enfant est sorti de la maison, l'enfant est parti derrière la maison, il jouait là-bas. La mère ressort de la maison pour suivre l'enfant derrière. Il trouve l'enfant, elle a pris la chicotte jusqu'à poursuivre l'enfant. L'enfant a fui. D'une tombe.
jusqu'à Ovendo à pied. Je vous assure que je prie un Dieu vivant. Le jeudi matin, j'étais là debout, je dis « Seigneur, je vais passer les vacances là. » La fille là ne m'envoie même pas l'enfant passer les vacances depuis qu'elle a pris l'enfant. On n'arrive même pas à la joindre. Quand on l'appelle, elle ne répond pas au téléphone. Ça, c'est quelle histoire, Saint-Esprit de Dieu? Toi qui vois, qui connais, toi qui as la justice, que ta justice descende sur cette personne-là. Si j'ai fait du mal pendant trois mois, les 6 mois que j'ai pris l'enfant jusqu'à 7 ans, Père éternel, que ta justice descende sur moi. Mais si j'ai bien gardé cet enfant-là, Père, que ta justice soit faite. Donc l'enfant était déjà en train de marcher. L'enfant a marché. La nuit comme le jour, l'enfant ne dormait pas. Il marchait jusqu'à quand il est arrivé. J'ai dit, samedi matin, j'étais à la maison. Je ne sais pas ce que je faisais. Je suis là en train de laver, je compense. Et ma mamie à 15 heures, mamie, je lève les yeux, c'est l'enfant. Je dis, Seigneur, tu viens avec qui? Oh, je suis venue seule. J'ai dit, ah, c'est fou. Tu reviens d'où? On est tout. J'ai dit, c'est fou, tu ne peux pas venir seule. Il me dit, mamie, je suis venue seule. Et l'enfant tremblait. L'enfant tremblait tellement qu'il me dit, mamie, je vais manger. Je dis que non, tu ne peux pas manger. Tant que je prie un Dieu, il faudrait que je fraîchisse d'abord les genoux. Et j'avais vraiment les doutes. Je me disais peut-être qu'il est venu avec quelqu'un et la honte, comment l'enfant était habillé et comment l'enfant était, il ne pouvait pas arriver. Voilà la photo de l'enfant, comment il est arrivé chez moi. C'est comme ça que je suis restée. J'ai pris l'enfant, j'ai pris l'eau. Béni, j'ai pris le sel, je l'ai amené à la douche, j'ai lavé, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je gémissais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, avec tout ce qui se passe là, Seigneur, Dieu a mis l'invisible sur la vie de cet enfant de ne pas le voir. Dieu vraiment est fidèle. Non, acclame très fort pour le Seigneur d'abord. Acclame le Seigneur, acclame très fort l'Éternel des armées. Je pensais que tu devais acclamer plus fort que ça. Je pensais que tu devais acclamer plus fort que ce que tu es en train de faire actuellement. Je suis resté là. J'ai lavé l'enfant, j'ai massé l'enfant, je l'ai donné l'eau à boire, l'eau bénie, là, tous les jours. Je l'ai donné, j'ai dit bois. Je suis restée là avec l'enfant, je l'ai donné à manger, mais l'enfant n'avait même plus l'appétit. J'ai dit comment tu as traversé les routes là, avec toutes les voitures là, ou bien tout le long là, parce que sur le chemin là, il y a des places là où il n'y a même pas de maison. Seigneur, tu es vraiment Dieu. Tu nous aimes vraiment. Tu exauces nos prières. Seigneur, je bénis à tous ceux qui m'appellent souvent avant de me dire bonjour. Ils prient d'abord pour ma famille, ils prient pour mes enfants, mes petits-fils. Je dis que Dieu est bon. Je suis restée là. Dimanche, je devais même venir parce qu'il est arrivé samedi. Mais il y a un Dieu qui me dit, il y a une voix qui me dit, ne bouge pas. Il y a les gens qui viendront ici chez toi. Je suis restée là. Comme vous pouvez constater à l'écran, l'état de l'enfant lorsqu'il est venu voir sa grand-mère. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui a sorti cet enfant de cette situation que nous pouvons constater actuellement l'état auquel l'enfant s'est trouvé? Non, je pensais que tu devais encore acclamer très fort que ça. On peut constater ici que l'enfant avait tellement maigri, il avait perdu car il avait fait près de 2 jours sans manger, sans boire. Il était en train de marcher, mais il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux et Dieu a permis de pouvoir le protéger et sain et sauf actuellement. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Vous pouvez continuer, maman. Je suis restée dimanche, je ne suis pas venue ici là. C'est à 10 heures que sa mère et sa grand-mère arrivent chez moi et 2 femmes qui les ont accompagnées pour dire que non, on est en train de chercher Cardol. J'ai dit, vous cherchez Cardol, qu'il était où? Et c'est depuis que vous l'avez amené, vous m'avez déjà vu envoyer quelqu'un ou bien moi-même, je connais là où vous habitez, pour que je vienne chercher Cardol, vous venez chercher Cardol chez moi. Oh, il a disparu depuis jeudi. Mais on ne pouvait pas t'appeler parce qu'on avait peur. J'ai dit que oui, même si vous avez trouvé un cadavre, vous devez prendre et enterrer sans pourtant appeler. Et je devais dire que non, l'enfant est chez vous alors que vous l'avez déjà fini avec lui.
Je suis restée là. J'ai dit, maman, je prie un Dieu. Si l'enfant est sorti de chez vous, pour dire que non, je pars chez maman, peut-être s'il prononçait quelqu'un d'autre, il devait lui arriver un problème. Mais comme je prie un Dieu de miracle de protection, l'enfant est venu que je pars chez ma grand-mère. Et c'est ici qu'on venait prier quand l'enfant venait, était avec moi. Dieu a mis cet enfant-là sur ses mains et conduit par l'Esprit Saint qui a accompagné cet enfant-là. Acclame le Seigneur très fort. Je te prie de pouvoir encore acclamer Dieu, de pouvoir acclamer l'Éternel des armées, de pouvoir acclamer le Dieu qui protège, le Dieu qui exauce. Bien-aimés, comme vous pouvez constater, au jour d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu encore accomplit sa parole. La Bible déclare, laissez venir à moi les petits enfants, car il est le Dieu des orphelins. Juste pour te dire, quel que soit de ceux que les personnes ne peuvent t'abandonner, il y a un Dieu qui ne pourra jamais t'abandonner. Aussi vrai que tu es sur l'alliance d'un homme de Dieu qui prie un Dieu vivant, qui prie le Dieu véritable, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles que tu peux traverser dans ta vie, ces obstacles deviendront devant ta vie comme des avantages sur toi. Non, non, ton amen n'est pas arrivé ici. Cette maman que vous voyez ici, elle est en train de rendre témoignage de ce que son fils a traversé. Bien-aimée, elle dit ceci, que son fils, son petit-fils, a fait 2 jours de marche depuis Toum jusqu'ici. Et toutes les personnes qui connaissent Toum, Toum est tellement loin d'ici. Certainement pour des personnes qui sont dans le Haut-Ogoué, Toum c'est comme la route de Libre de Franceville jusqu'à Moanda. Donc c'est une distance que c'est tellement difficile de pouvoir marcher pour pouvoir venir jusqu'ici à Libreville ici. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui a la capacité de pouvoir étendre la main sur cet enfant, car il est le Dieu des orphelins. Bien-aimés, nous sommes à une période où les crimes rituels sont manifestes actuellement. Il y a tellement de crimes rituels actuellement, mais l'Éternel Dieu a permis de pouvoir étendre la protection sur cet enfant, sain et sauf. Et aujourd'hui, elle vient rendre gloire à Dieu que l'Éternel Dieu a protégé son petit-fils. Comme vous pouvez le constater, il est sain et sauf actuellement. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées ce matin? Maman, de ce que Dieu a fait sur la vie de ton petit-fils, de votre petit-fils, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui vous regarde actuellement? Ce que je voulais dire aux sœurs, aux mamans qui sont ici là, qui ont des petits-fils, qui ont des enfants en général, que nous soyons vraiment à la pêche de la prière. Prions. Quand tu pries vraiment, toute ta famille est protégée. La prière vraiment, c'est une protection pour une chrétienne. Donc restez vraiment dans la prière. Ne fermez pas les bouches, ne dormez pas. Prions. Acclame le Seigneur. Quelle que soit la difficulté que tu peux traverser, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, n'oublie jamais de pouvoir prier l'Éternel ton Dieu. N'oublie jamais de pouvoir ovationner l'Éternel ton Dieu. Je te prie de pouvoir une fois de plus encore acclamer le Dieu au-dessus des dieux, le Dieu de protection, le Dieu qui protège, le Dieu qui protège. Acclame l'Éternel Dieu ce matin. Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous allez vous présenter en quelques minutes et en 5 minutes, vous allez donner votre témoignage et nous dire ce que Dieu a fait pour vous. Bonjour peuple de Dieu, je suis le frère Elgis. Voilà, je viens ici ce matin pour deux préoccupations, consacrer l'enfant et rendre témoignage de ce que Dieu a eu à faire sur nos vies. Acclame le Seigneur. Nous avons été localisés pour la première fois sur le réseau TikTok par l'évangéliste Wad sur ma fiancée ici, qui était enceinte de plus de 10 mois. Alors, nous avons traversé franchement la difficulté, et c'est comme ça que l'évangéliste Wad nous a localisés et il a eu à dire des choses sur nous. Alors, nous avons décidé de venir à l'église, et pour la deuxième fois, nous avons été localisés ici un vendredi. Voilà, elle est enceinte. Et c'est comme ça que
l'homme de Dieu a encore prié pour nous et il a même demandé à une dame qui avait déjà accouché ici de venir imposer les mains sur ma fiancée. Alors, quand nous sommes quittés d'ici, 2 semaines après, nous étions toujours là. Rien. C'est comme ça, nous n'avons pas baissé les bras, nous avons toujours à prier. Alors, c'est comme ça que tellement elle se tordait de douleur. C'est comme ça que le jeudi, elle m'a réveillé, elle m'a dit, chérie, si lundi arrive, je crois que le mieux, c'est qu'on ira pour déclencher la grossesse. J'ai dit non, il n'est pas question. Alors, l'homme de Dieu était en direct sur Facebook le vendredi, voilà. Non, le samedi, voilà. Donc, c'est comme ça que nous l'avons contacté via appel WhatsApp. Donc, c'est comme ça que j'ai dit à l'évangéliste, que, évangéliste, vraiment, madame, jusqu'à là, ça ne va pas. Nous sommes toujours en prière, mais nous avons vraiment besoin qu'aujourd'hui encore, puisse encore vraiment déclarer des paroles sur la grossesse de ma fiancée. Parce que franchement, à cette allure, vraiment, elle a mal et nous sommes prêts à aller pour déclencher. C'est comme ça que l'homme de Dieu, l'évangéliste, a commencé à prier pour nous. Il a vraiment prié pour nous. Il nous a demandé de prendre une bouteille d'eau. Donc, après avoir terminé de prier, ma fiancée a bu la bouteille d'eau. Et vers les 1 heure, donc 1 heure après la prière de l'évangéliste, c'est comme ça que madame a commencé à ressentir les contractions. L'enfant bougeait vraiment de plus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur encore. Je pensais que tu devais acclamer plus fort que ça. On pouvait voir comment l'enfant bouge depuis le ventre. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à saigner. Il faut rappeler que nous sommes allés à l'hôpital plus de 3 fois. Nous avons été renvoyés. On part, il n'y avait rien. On disait retournez, retournez. Alors, vers les 1h, 2h, nous avons décidé de nous rendre au CHU de Vendo ici. C'est comme ça, nous sommes venus vers les 2h. Une fois nous sommes arrivés à l'hôpital, franchement, nous avons rencontré des difficultés. Et c'est comme ça que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, nous sommes sur le territoire du prophète Emmanuel Zomba, le lion du Gabon. Acclame le Seigneur. Ce matin, tu es sur le territoire du prophète Emmanuel Zomba. Non, non, j'ai mal dit. Je voulais comme ça te dire, bienvenue. Et je vous assure que, arrivé à l'hôpital, là où les portes étaient fermées pour les dames aussi qui étaient aussi enceintes, quand nous sommes arrivés, vraiment, les portes étaient ouvertes. Et le monsieur qui nous a reçus nous a dit, je ne sais pas ce qui m'amène à vous recevoir, car j'ai renvoyé beaucoup de femmes aussi comme elle. Vraiment, je ne sais pas. J'ai dit, c'est mon Dieu, je suis chrétien, je suis territoire. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous voyons ici et nous pouvons encore constater la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimés, si tu ne crois pas à l'éternel Dieu, ici encore tu es obligé toutefois de croire en l'éternel Dieu parce que c'est un Dieu encore qui a la capacité de pouvoir guérir encore. J'aimerais que tu puisses encore acclamer le Dieu qui a la possibilité de restaurer les vies. Bien-aimés, ce couple que vous voyez ici est venu ici tellement abattu, dans des difficultés, à tel point qu'il est en train de rendre témoignage que sa femme avait déjà dépassé 9 mois de grossesse. Elle partait à 10 mois, 11 mois et plus. Et à tel point que c'était tellement difficile pour elle de pouvoir accoucher, elle a rencontré un serviteur de Dieu. Elle a rencontré la voix de Dieu. Elle a rencontré la bouche de Dieu pour sa vie. Elle a rencontré une personne qui était en habilité, en capacité de pouvoir prononcer des paroles qui devaient s'accomplir sur elle. Et pendant qu'elle a rencontré cet homme de Dieu, qui est tout simplement le fils du prophète Emmanuel Zoma, j'ai cité ici l'évangéliste roi de David de Jésus, que je vous prie de pouvoir acclamer un tant soit peu. Ce serviteur de Dieu. Elle dit ceci, que le serviteur de Dieu a prié pour elle, pour lui. Le serviteur de Dieu a prié pour sa femme. Et alors qu'après la prière, l'enfant n'arrivait pas à venir certainement. Et certainement, le doute était certainement installé sur leur vie. Mais j'aimerais te rassurer. La Bible nous parle d'un prophète dans l'Ancien Testament qui était certainement
vraiment un prophète majeur. La Bible parle de Daniel. Lorsque Daniel jeûna et pria et demanda faveur à Dieu pendant 21 jours, la Bible déclare le premier jour que lorsque Daniel priait, Dieu accorda la faveur à Daniel. Mais il y avait un ange de paix qui était tout simplement un démon qui était venu bloquer la bénédiction de Daniel. Il fallait que Daniel levait encore, prier et jeûner pendant 21 jours afin de pouvoir avoir l'exaucement. Non, je te prie de pouvoir acclamer d'abord le Seigneur. Et elle dit ceci: après la prière de l'homme de Dieu, rien ne s'est passé. Et elle était dans le désespoir, dans la confusion. Mais elle n'a pas tout simplement oublié le Dieu qu'elle a décidé de faire recours. Et elle est repartie chez le serviteur de Dieu en disant: trop c'est trop. Papa, s'il te plaît, implore encore ton Dieu en ce jour. Car aujourd'hui, je désire mon miracle. Car je ne peux pas te laisser partir si je n'ai pas ma bénédiction ce matin. Et l'homme de Dieu l'a dit tout simplement que c'est fait comme pour habitude. Notre Père a pour habitude de le dire. Et après la prière qu'il a faite, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, elle a pu concevoir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Papa, de sorte que Dieu a restauré votre foyer, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui vous regarde? Ce matin, c'est que avant je croyais pas vraiment au miracle comme ça, parce que je disais bon, pour les autres je vois comment ça se passe, vraiment ça marche, mais chez nous pourquoi ça? Mais quand avec l'arrivée de l'enfant qui est né sans difficulté, vraiment madame a accouché à 11 mois sans rien vraiment par voie normale, vraiment j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour ça et dire vraiment: acclame le Seigneur de là où tu es. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Amen, amen, amen. Ce sont les miracles que Dieu fait dans sa maison. Voyez, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Et si Dieu l'a fait dans l'ancien temps, il est encore le même aujourd'hui. Et dans Matthieu 19, Luc 18, il dit: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vais inviter l'évangéliste Watt et Papa Leïnda, Pasteur Leïnda, pour la consécration de l'enfant. 3, le chiffre 3, le chiffre de la consécration et de la résurrection. On acclame le Seigneur pour ce joyau. Voilà. Et je voulais dire pour terminer, il s'appelle le prophète Emmanuel David. Acclame le Seigneur. Il a l'onction d'Emmanuel. Il a l'onction de David sur lui. Acclame encore le Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Papa Léina, tu es dans ta main pendant que nous allons moindre d'huile cet enfant. Seigneur, nous venons recommander la vie d'Emmanuel David en tes mains. Toi, le Dieu qui envoie les étoiles sur la terre, le Dieu qui bénit les couples, le Dieu qui bénit les hommes et les femmes. De la même manière que tu avais été consacré à travers les mains de Siméon, nous venons recommander, consacrer et dédier cet enfant entre tes mains. Seigneur, sois son bouclier, sois sa sécurité, veille sur sa vie. Nous proclamons, Père, la réussite dans tout ce qui pourra entreprendre. Seigneur, Père, que tu sois devant comme guide et derrière comme sécurité. Que toutes les personnes qui le toucheront avec des mains sales et impures, que tout impact familial lié à la sorcellerie soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Que tu le couvres de ton sang, qu'il soit invisible, Père, à toute réclamation familiale, qu'elle soit par le sang ou par le nom, du côté de son père ou du côté de sa mère. Même si dans leur famille on n'a jamais voulu qu'il puisse enfanter, nous voulons annuler toute incantation, toute malédiction soit effacée par le sang de Jésus. Veille sur sa vie, qu'il soit un enfant intelligent, qu'il soit un enfant sage, que toute maladie héréditaire, par le sang ou par le nom, soit éloignée de sa vie. Père, qu'il soit couvert de ton sang, que l'ange de sa naissance puisse l'accompagner, que le don que tu as mis en lui puisse servir pour la cause de ton nom. Qu'il soit, Père,
comme David, un roi. Qu'il soit comme Emmanuel, Dieu avec nous, Père. Et qu'il œuvre dans ta maison. Merci pour avoir béni ce couple à travers ce joyeux enfant. Bénis le Seigneur. Accorde la sagesse de l'enseigner, de l'élever selon ta parole. Seigneur Père, remplis encore, multiplie leurs semences. Donne encore davantage d'enfants. Afin que Père, cela serve pour la gloire et le royaume de Dieu. Nous les recommandons en tes mains. Merci pour cette victoire. Bénis leur offrande. Qu'elle monte à toi maintenant comme un parfum de bonne odeur pour cette consécration. Que cette offrande parle pour Emmanuel David. Que cette offrande parle pour ce couple, Père. Béni sois-tu. Sois élevé et sois magnifié. Au nom de Jésus, nous disons trois fois Amen. Est-ce que tu peux t'élever et commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer Dieu? J'aimerais que là où tu es, tu vas commencer à élever ta voix et commencer à recommander ces moments, ces temps entre les mains de Dieu. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur. Commence à prier, commence à prier, ne ferme pas ta bouche. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin de te recommander ces moments, afin de te rendre grâce encore en ce jour pour ces témoignages. Nous venons à toi, Seigneur, Père, élever nos voix afin encore, Seigneur, de te rendre les multiples actions de grâce, afin que toi seul, tu prends le contrôle et que tu te manifestes et que toi seul, tu règnes encore à jamais, encore au nom de Jésus. Nous prions.